sommes heureux de vous accueillir au congrès des ambassadeurs du pain ce matin à Servotel. Donc, le thème de notre congrès, c'est la restauration boulangère. Elle va se dérouler en trois étapes, hein, animées par notre ami Sébastien Mignot. Elle sera retransmise en direct sur la chaîne du salon et bien sûr sur la chaîne des ambassadeurs. Tout d'abord, la définition faite par les ambassadeurs de la restauration boulangère par Sylvain Herviot. Ensuite, nous aurons la présentation par nos amis ambassadeurs de différents pays, Christophe Ackermann pour la Suisse, Davida pour l'Inde, Bogdan pour l'Ukraine, Johannes Rolls pour le Brésil et Fausta pour l'Italie. Nous enchaînerons après cette présentation de leur situation sur la restauration rapide dans leur pays. Nous enchaînerons avec une table ronde avec Fabrice Prochasson qui est à l'Académie de cuisine, Caroline Masson, consultante en sciences des aliments, et Sébastien Riparis, expert gastronomique. Et là, on pourra échanger. Voilà, je vais laisser la parole à Sébastien pour animer cette table ronde. Merci Dominique, et bonjour à tous. Alors nous, on va essayer de vous faire voyager, mais rapidement, 5 minutes par pays, pour vous faire découvrir un petit peu le ressenti de chaque intervenant, chaque ambassadeur sur le monde du snacking. Alors évidemment, ça peut être parfois une notion aussi de sensibilité personnelle, mais ça doit s'appuyer aussi sur quelques chiffres qui ont été perçus, et on va essayer de faire ça. Mais avant, le plus dur, c'est de trouver cette fameuse définition et de savoir de quoi on parle. C'est pour ça que Sylvain vient nous rejoindre. Sylvain, à ton avis, c'est quoi alors ce snacking, cette définition qu'on doit trouver ? Donc, la restauration boulangère, c'est quoi ? Donc, la restauration boulangère, c'est la capacité pour le boulanger de présenter une large gamme de sandwichs ou une courte gamme de sandwichs qui met aussi bien en avant la garniture que le pain fabriqué. Autant que faire se peut, ce pain devra être nutritionnellement intéressant. Et vous l'avez bien compris que depuis le nombre d'années que l'on fait cette méthode Respectus Panis, nous avons fait une méthode vertueuse qui permet de s'intégrer dans ce nutritionnellement bon. L'utilisation de farine native sera importante, l'agriculture raisonnée, le biologique, les graines, les légumineuses. Nous savons pertinemment que la restauration hors foyer, depuis de nombreuses années, a pris une part prépondérante dans nos cœurs d'activité. Par conséquent, il est nécessaire donc de proposer du beau et du bon quotidiennement pour satisfaire l'équilibre nutritionnel de nos clients. Il est très facile aujourd'hui pour les clients de se renseigner sur Internet relativement facilement, d'avoir qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui nutritionnellement est intéressant. Le boulanger devra aussi tenir compte de cette capacité que la clientèle a d'avoir des informations rapidement pour se mettre à la page de cette communication grandissante. Le boulanger a vraiment une part à jouer très importante dans cette restauration boulangère, qui est une restauration hors foyer, qui, je crois, les chiffres, on est sur 34% aujourd'hui. Mais par contre, il devra rester dans son champ de compétences, c'est-à-dire un sandwich à base de pain ou tout ce qui tourne autour du pain. Qui mieux que le boulanger est en capacité de proposer du pain à ses clients ? La restauration boulangère devra suivre aussi les tendances, c'est très important, comme un phénomène de mode, tout en continuant de proposer un excellent sandwich jambon-beurre, par exemple. Il est possible aussi de proposer des sandwichs végétariens, végans, ou de s'inscrire dans une démarche plus segmentaire. Nous sommes au début d'une nouvelle ère, où le sandwich s'impose comme un standard de consommation au quotidien. Cette tendance n'est pas une tendance seulement française, on le voit à travers le monde. Et nous avons sur le plateau un ensemble d'un panel de cette planisphère qui nous permet de présenter à l'ensemble des gens présents aujourd'hui et en visio ce qu'est la restauration boulangère. Merci Sylvain. Alors en effet, c'est un vaste sujet et un vaste débat. Alors c'est moi qui vais me lancer en premier pour faire un petit panorama sur ce que l'on a perçu au niveau français.
Je vais tenter de vous montrer un petit peu ce que... On a essayé de se dire, est-ce qu'on peut faire un constat ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut partir des années 2000 ? Des années 2000, on n'a plus beaucoup de chiffres qui sont vraiment clairs par rapport à ça, mais qu'est-ce que l'on avait ? C'est-à-dire, dans les années 2000, c'était le début du snacking en tant que tel. C'était une offre très limitée. C'était réservé principalement quand même à des... spécialistes de la restauration rapide comme les terminaux de cuisson. Il y avait des franchises, on ne va pas les nommer, mais qui étaient vraiment spécialisées là-dedans. Et c'était l'endroit où on allait pour pouvoir trouver du sandwich. C'était une logique d'aller là. La gamme était relativement courte. Et puis, c'était le début de l'arrivée déjà un petit peu du sandwich chaud. Et là, on était, c'était un petit peu la révolution, notamment pour certains. C'était les Américains avec les frites, les choses comme ça. C'était quelque chose... alors, je sais qu'on a une nutritionniste parmi nous. Ça va peut-être la faire bondir, mais c'est vrai que du pain, des frites, du steak, c'était un tout. Alors, les Allemands appellent ça « calorie bomber », c'était ça. Et donc, c'était un petit peu le début. La boulangerie artisanale était pour certains déjà un petit peu sensibilisée, principalement plus en ville. Et on avait quand même en campagne, on était resté un petit peu, coincé dans cette idée que le sandwich, c'était le casse-croûte ouvrier, c'était le repas de dépannage quoi, ou de chantier. Quoi. Alors, les choses ont évolué. Hein. Si on reprend 10 ans après, on avait déjà des gammes qui étaient largement plus enrichies. On avait l'arrivée déjà du burger, de certaines restaurations chaudes comme les panini, où on avait déjà essayé de retravailler de la praticité. On avait essayé de retrouver des astuces boulangères. Et on était passé d'une gamme de 3 produits à peu près en moyenne à 8 produits. Alors ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que on se rend compte que la gamme s'étoffe et on a essayé de le faire en même temps que le consommateur prenait conscience en France en tout cas que la boulangerie pouvait être un repère pour aller manger et aller dedans. Ce qui fait que en boulangerie ça a été pour nous une mutation qui a été assez structurelle. Ça a été l'arrivée notamment des places assises, du café le matin qu'on a voulu servir en boulangerie. C'était la place assise. On a voulu asseoir nos clients. On a voulu, quelque part, les amener, leur laisser un espace. Venez vous approprier la boulangerie comme un espace bien-être et un espace gourmand. Et on l'a fait avec, évidemment, des choses qu'on est allé plus loin. On a commencé à faire de la restauration. Et quand on parlait avec Dominique, quand il me dit, on a préparé avec tous ensemble le briefing, il me dit attention, hein, c'est pas restauration rapide. Mais aujourd'hui, restauration rapide, snacking, la frontière, elle est où ? Moi, je trouve qu'on a fait tomber cette frontière et qu'aujourd'hui, on a voulu asseoir, on a voulu servir. Parfois, on sert même le sandwich sur les places assises. Et la restauration, on a fait venir des gens, on a fait venir des talents, on a fait venir des traiteurs, on a fait venir des cuisiniers, on a embauché et on a monté en gamme. Alors cette montée de gamme, elle a évidemment elle a contribué à ce que ce secteur explose. Hein. On a eu plus de 160% en France sur 10 ans. C'est le CA de la restauration rapide qui est passé de 7,3 milliards d'euros en 2007 à 19 milliards d'euros en 2018. C'est assez quand même conséquent et inimaginable par certains. C'est-à-dire que certains ne croyaient pas encore au snacking. Certains s'étaient dit, oh, c'est une mode, comme on en a beaucoup, et dit ça va retomber. Sauf que le consommateur, lui, il a changé sa mentalité. Et nous, en France, on n'était pas habitué à aller manger du sandwich, on n'était pas habitué à faire une pause courte le midi. On allait au restaurant, on rentrait chez soi, on mangeait. Toutes ces choses-là ont été un petit peu dans le monde du travail chamboulé. Ce qui fait que nous, on a suivi. Et quelque part, aujourd'hui, en 20 ans, on s'est retrouvé avec des boulangeries où on a dû surinvestir. Et surinvestir, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, évidemment, pour pouvoir faire ce métier en plus, il fallait de la place, il faut du stationnement,
il faut pouvoir les asseoir, il faut pouvoir bien les servir, il faut que l'hygiène soit impeccable. Et on a investi très fort. Ce qui fait que quelque part, en termes de rentabilité, on a aussi mis certains poids assez conséquents sur nos artisans. Certains ont eu du mal à absorber cette chose-là. Il a fallu, et on revient déjà en 2010, c'était compliqué. J'ai l'impression que 12 ans après, c'est encore plus compliqué. Trouver du personnel pour pouvoir faire ce snacking, le faire de façon correcte, pour pouvoir avoir des boulangers qui vont se libérer du temps pour faire du pain différemment, refaire de la petite pièce, retravailler. Et là, on rentre dans ce que vous savez, ce que vous vivez. On est rentré dans le monde, évidemment, complexe des employés. On a des apparitions de chaînes boulangères aussi, hein, dans les années 2010, etc. C'était vraiment ça a commencé à taper très fort sur ces grosses structures qui, bizarrement, eux, ont une... Je suis retourné dans certaines boulangeries de grandes chaînes et de grandes marques pour aller voir ce qu'était le snacking réellement là-bas aujourd'hui. Et j'ai été surpris. J'ai trouvé que c'est certains donc on jouait beaucoup la pizza, une grande place dans le plat chaud, le panini reste, des choses comme ça, le burger a pris vraiment une force importante, mais quelque part j'ai trouvé que l'offre n'était pas si imposante que ça en termes de snacking, et certains artisans étaient allés beaucoup plus loin, mais on y reviendra. Aujourd'hui, juste pour revenir, on estime à peu près que c'est 45% en moyenne du chiffre d'affaires pour certaines entreprises de snacking. Pour certaines, attention à la typologie, attention si vous êtes en ville, si vous êtes en campagne, ces chiffres-là, il faut faire vraiment gaffe. Voilà. Au niveau des produits, on a eu un changement de mentalité au niveau consommateur. Avant, on avait tous en tête snacking, c'est quelque chose, déjà, c'est du grignotage. C'est je m'en mets une louche, c'est pas forcément un outil nutritionnel. On cherchait du plaisir, c'était le petit plaisir qu'on allait chercher ou le petit truc occasionnel. Donc au niveau nutritionnel, c'était pas forcément le top. Et puis on est passé à snacking, c'est le repas hors foyer. On parlait tout à l'heure, c'est quoi ? Et tu parlais du repas. Aujourd'hui, oui, en effet, le snacking est devenu un moment de repas. C'est de la restauration dans un temps court. Avec une attente nutritionnelle qui aujourd'hui, quand même, je rejoins vraiment ta définition, il y a une vraie attente qui sort. Le sandwich, aujourd'hui, il s'est fondu dans des formules. On ne le vend pas souvent seul. Il est souvent accompagné d'un dessert, d'une boisson, etc. Vous savez bien ça. La pizza a gardé une place, évidemment, j'ai mis une place facile parce que c'était quelque chose qui était déjà fait en boulangerie, mais on a pu la remettre en valeur, on a pu la remettre en scène, on la remet chaude, à côté de la caisse, des choses comme ça. Ça marche pas mal. Le burger, une évolution assez incroyable. Le burger reste en restauration, comme dans le snacking ou la restauration boulangère. C'est quelque chose qui perce et qui continue d'évoluer et qui ne s'est pas démenti. La taille des produits ont évolué. On a pu chercher à faire du sandwich, c'était la demi-baguette, on a cherché un petit peu à retravailler ces choses-là. Et on a vu une montée en gamme, et notamment aussi en prix. Il ne faut pas oublier aussi que le snacking, ce n'est pas que du salé. Le snacking, c'est aussi tout ce qui est du monde sucré. Le petit encas qu'on prend pour aller complémenter une fin de repas où on n'a pas eu le temps de prendre son repas, on se prend ça, je prendrai ça avec le café. Dans la mentalité des gens, le snacking est aussi sucré, on a tendance un petit peu à le perdre. Alors, tout était en pleine progression, et puis, vous le savez, est arrivé Monsieur Covid, c'est ça, et ça change tout. On a eu le confinement, on a eu des règles sanitaires, on a eu une relation commerciale complètement chamboulée au niveau de l'accueil, au niveau de l'encaissement, au niveau du temps de vente, au niveau de la... On filtrait, on mettait des barrières, et on a un petit peu tout cassé. On a pour la première fois une baisse
qui frappe tous les secteurs de la restauration rapide et du snacking, qui ont fait des régressions qui vont, selon les chiffres, parce que vous regardez, et j'ai essayé de me documenter, on trouve de tout. Ça va de moins 20 à moins 48% à bien plus, j'ai pas voulu les marquer. Et on parle pas au niveau des restaurateurs, évidemment, ils étaient fermés. Ces chiffres, avec la reprise, le déconfinement, ont tenté de reprendre leur cours. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un snacking qui s'est reposé, des gens qui reviennent en boulangerie. Mais on a vu aussi que ça avait chamboulé beaucoup de choses. L'organisation du travail, le télétravail. Dans la tête des gens, aujourd'hui, la consommation du sandwich, quand je vais me mettre dans une file d'attente, j'ai plus la même perception, j'ai plus la même envie d'attente, j'ai plus la même envie de proximité, j'ai plus la même envie de service. Qu'est-ce qui va rester de tout ça et qu'est-ce qu'il va falloir un petit peu mémoriser pour la suite? Ça, c'est un petit peu ce qu'on va mettre. Alors, évidemment, il y a des chiffres avant Covid et puis avec la suite aussi qui étaient intéressants. On a quoi ? 48%, c'est-à-dire quasiment une personne sur deux font au moins un repas hors domicile au moins une fois par semaine. La restauration, à moins de 10 euros, représente 75% des repas hors domicile. Les livraisons ont doublé. Le drive, etc., ont progressé de 75%. Ça, c'est l'effet Covid. Mais j'ai remis ça là, volontairement, parce que il va peut-être falloir qu'on pense au service différemment en termes de snacking. C'est aujourd'hui quand même 2,6 milliards de burgers qui sont consommés en restauration et en domicile par an. J'ai remis ce chiffre-là parce qu'il m'a choqué par sa taille. Le burger, nous, Français, on avait dit au début, hein, ça passera jamais. On en mange tous, en boulangerie, dans toutes les belles cartes de restaurants, on a du burger. Il est partout, il continue de progresser, il a complètement évolué, il est cuisiné. C'est quelque chose qu'il faut peut-être aussi qu'on garde en tête. Et ça plaît au consommateur. Le consommateur attend ça. 88% des adultes s'accordent une pause snacking. Vous soyez sportif, au boulot, etc. À un moment donné, vous n'avez plus de problème avec ça. Les télétravailleurs préfèrent une collation au repas classique. C'est-à-dire que, en même temps que ça, ce chiffre derrière, 58% fractionnent leur prise alimentaire. Moi, ça me fait réfléchir. Et c'est vrai, je me suis surpris pendant que je préparais ça à avoir pris une formule, un truc. J'ai mangé mon sandwich là et j'ai gardé le dessert pour après. Et je l'ai mangé plus tard. Ça se voit pas, mais je l'ai mangé quand même. Ça se voit. Ces chiffres-là sont faits pour vous amener sur un point, ou pour moi. D'accord, c'est un parti pris aussi, hein. Qu'est-ce qu'il est important, selon moi, pour vous, en termes de consommateur, qu'est-ce qu'il va attendre? On voit qu'il y a une très forte attente sur l'hygiène, la praticité, le packaging et la notion environnementale. On a tous été, à un moment donné, aussi avec ce Covid, on nous a interrogé sur les origines, mais aussi nos ingrédients. Il n'y a pas que ça, hein. Les origines produits, les choses comme ça. Le local, on a ces choses-là. La nutrition. C'est un point très important. On se rend compte que c'est des choses qui sont toujours très affectionnées au niveau du consommateur. Le clean label, le pain dans tous les sens, je l'ai mis comme ça parce que je pense que la baguette, c'est pas le seul support au sandwich ou au snacking. Bon, je crois qu'il y en a qui ont bossé dessus, on en parlera tout à l'heure. L'offre locale, proximité, je pense qu'il faut retravailler une offre locale et proximité dans le snacking. Le service, j'ai dit, c'est peut-être le point numéro un. On aurait peut-être dû le mettre au début. Je pense que la révolution du snacking, entre autres, des places assises, du service, est-ce qu'il ne faut pas penser à certaines choses? Je n'ai pas de solution, malheureusement, mais je m'interroge. Et j'ai dit, attention, on a vu qu'il y avait une évolution constante du prix du snacking et des formules et du sandwich. Attention, il y a du décrochage. On sait très bien que cette année va être impactée très forte au niveau des inflations. On va avoir, ça va bouger dans tous les sens. Il faut qu'on fasse attention aussi, nous, dans la façon de ce qu'on va proposer et de garder cette idée que quand même 75% étaient achetés à moins de 10 euros. Où est-ce qu'on va? Pour finir, je dirais, c'est encourageant.
Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à réinventer. Comme d'habitude, c'est à nous de le prendre. Mais surtout, gardons peut-être aussi en tête qu'on a des valeurs boulangères que l'on doit peut-être faire passer dans nos produits de snacking pour ne pas être comparé à la grande surface, pour ne pas être comparé à ces grandes chaînes. Je pense qu'on peut amener des choses. Il y en a la preuve ici. On ne peut peut-être pas tout faire, mais je pense qu'il y a des choses qu'on pourra faire. Alors, on va essayer de continuer ce panorama. Merci de cette première partie-là. Et on va continuer. Je vais passer la parole. On va aller en Suisse. Et comment tu vas essayer, Christophe, de nous montrer un petit peu, toi, ta vision du snacking et de l'évolution. Et après, on échangera. Alors, bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser ce matin. Alors, je vais juste prendre la télécommande pour le... Merci. Le verre. Alors, je ne sais pas... Tu es là ? Hop, voilà. Alors... Effectivement, on a essayé de faire une petite synthèse en fait, de ce qui s'est passé ces 20 dernières années dans le snacking dans notre pays. Un certain nombre de choses ont déjà été dites, où il y a quand même des thèmes ou des thématiques qui sont un tout petit peu universelles, j'imagine. Donc un certain nombre de constats peut-être qu'on a fait ont trouvé écho dans les choses qu'on a déjà entendues. J'ai presque envie de dire ce qui est plutôt rassurant ou réconfortant, parce que finalement on arrive tous aux mêmes analyses par rapport à ce qui se passe. Donc en gros, nous le constat c'est qu'au début des années 2000, l'offre en snack elle n'était pas tellement élargie, donc effectivement des gammes assez courtes. Et moi j'ai parlé de la notion de créativité aussi, on avait des choses relativement classiques. Hein. On offrait vraiment des choses, on a parlé de jambon beurre, on a parlé de sandwich assez simple avec des baguettes ou des pains briochés. Mais disons, c'était pas tellement dans l'état d'esprit d'un artisan boulanger fin des années 90, début des années 2000, de vraiment rechercher à proposer autre chose. C'était considéré un petit peu aussi comme un marché de niche ou comme quelque chose qui n'avait pas grand intérêt pour beaucoup d'artisans. Attention, après, dans ce qu'on va discuter là, voilà, il y a peut-être un certain nombre de généralisations. Effectivement, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Il y a comme partout, comme tout le temps, de tout temps, des gens qui étaient en avance ou qui avaient un certain nombre de cartouches en avance sur les autres. Pour vous donner un exemple... Nous, dans ces années-là, les grands classiques, ben voilà, on parlait des ramequins en fromage, j'y reviendrai dessus un petit peu plus tard, qui est finalement une quiche assez simple, faite avec notre fromage, le gruyère, des taillis au grebon qu'on va parler aussi un petit peu plus avant, plus tard, qui sont vraiment une forme de snacking boulanger sous forme de viennoiserie salée, ou disons qui n'était pas vraiment sous forme de sandwich, parce qu'effectivement, l'offre purement sandwich qu'on offrait en boulangerie à cette époque-là était plutôt limité. Donc ça, c'est le constat de base qu'on en a fait pour cette période des années 2000. J'ai pas appuyé sur le bon. Voilà. Donc, si on vient sur la demande des consommateurs, alors effectivement, il y a une notion qui était pratiquement inexistante pour nous, c'était toutes les demandes qui tournaient autour des régimes particuliers. À cette époque-là, on parlait peut-être pas encore beaucoup des véganes ou des flexitariens ou toutes ces choses qu'on peut ou ces types de régimes auxquels on est habitué aujourd'hui. On parlait un petit peu des végétariens, mais c'était presque considéré comme quelque chose d'exotique. Il y a 20 ans, c'était pas forcément quelque chose qui était beaucoup dans les mœurs. J'ai envie de dire encore moins dans les boulangeries. Et puis j'ai envie de dire, il y a pas beaucoup de boulangers à cette époque-là ou d'artisans boulangers qui proposaient autre chose qu'une baguette tomate mozzarella, peut-être pour ceux qui étaient un tout petit peu aventureux déjà. Mais disons, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout... non seulement les boulangers ne le proposaient pas, mais c'est quelque chose que nos consommateurs ne demandaient pas, effectivement, parce qu'il n'y avait pas ce lien qui avait été créé entre « mon artisan peut me proposer autre chose », en fait. C'est quelque chose qui n'existait pas. Donc la présentation est chaque fois entrecoupée un petit peu par des présentations d'un ingrédient spécial qui illustre un tout petit peu ce qu'on disait et puis une déclinaison qu'on en fait. Donc on a quelque chose en Suisse et dans la région d'où je viens, qui est le canton de Vaud, qui est un des grands cantons de la région francophone, donc qui est plutôt à l'ouest de la Suisse. Donc on a des grebons vaudois qui sont faits à partir de graisse de porc qui est fondue et rôtie délicatement.
c'est malheureusement quelque chose qui est devenu relativement rare parce que voilà, il y a pas mal de fonderies pour des raisons d'hygiène, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont fait que en fait ça devient difficile à sourcer en fait pour nous dans la filière. Et puis comme c'est un produit qui nous tient particulièrement à cœur, qui fait partie de nos grosses ventes snacking à la boulangerie chez nous, ça nous paraît très très important de soutenir cette filière d'une certaine façon et puis de donner un petit coup d'éclairage sur ce produit qui effectivement me tient à cœur. Donc voilà, nous ça s'appelle le grebon, j'en parle dans une minute. Je crois que ça ressemble pas mal à ce que vous connaissez sous la forme du graton, peut-être à Lyon, hein. C'est un produit qui est relativement similaire, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique de la région, des quelques kilomètres qui sont autour de chez moi. Donc voilà, notre produit phare, qu'on appelle le taillé au grebon, qui effectivement est un produit qui a débordé un tout petit peu les frontières de notre canton, mais qui reste principalement un produit, encore une fois, local. Il y a deux déclinaisons, disons, il y a deux grandes familles de ce produit. On peut le faire soit avec une pâte levée, feuilletée, tourée, ou soit avec une pâte levée qui n'aurait pas été tourée. Il y a un petit peu les deux écoles, comme beaucoup de fois dans ces produits traditionnels, il y a un petit peu des familles ou comment dire ça ? Ça peut créer des sujets un tout petit peu sensibles parfois, par moment, mais voilà, en gros, il existe deux grandes familles. L'illustration que vous pouvez voir, c'est la forme sous laquelle on réalise nous, donc nous, on part sur la base d'une pâte qui est tourée. Et puis voilà, donc le taillé au grebon, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, et puis je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous plus tard. Puis effectivement, sur la dernière ligne, je faisais une petite analogie effectivement avec ce que vous connaissez sous la forme du graton. Donc ça, c'est pour le premier produit qui illustre un tout petit peu finalement ce qu'on vivait là. Si on arrive aux années 2010, alors une évolution dans la demande des consommateurs, donc c'est évident, hein, on était déjà à un tournant. J'ai un petit peu l'impression que par rapport à ces changements, on vit une prise d'accélération qui est pratiquement exponentielle. Ça a commencé à bouger au début des années 2000. Année 2010, on appuie un petit peu sur l'accélérateur et puis on va le voir un petit peu plus tard. J'ai l'impression que la courbe s'enflamme un tout petit peu par rapport à ce qui est demandé ou ce qu'on est censé pouvoir proposer. Donc au début des années 2010, la demande pour les produits de snacking était en nette évolution. Et surtout, il y a eu clairement, pour faire écho à ce qui a été dit tout à l'heure, une demande pour des produits qui étaient plus élaborés, plus cuisinés, plus sophistiqués. On cherchait, les consommateurs chez nous cherchaient autre chose que effectivement cet exemple que j'adore entre autres, mais d'un sandwich jambon-beurre. Donc la conséquence de tout ça, c'est que les boulangers ont commencé à produire des assortiments plus larges, effectivement avec différents supports, différents pains, différentes garnitures, différentes sauces pour les consommateurs. C'était vraiment très très important de répondre effectivement à ce trend qui est toujours d'actualité et qui continue à augmenter en fait des repas pris à l'extérieur, parce qu'effectivement c'était quelque chose d'émergent dans ces années-là pour nous. Et puis en réponse à cette demande et à ce trend en fait des repas pris à l'extérieur, effectivement ça aussi a été évoqué tout à l'heure, voilà, des sandwichs chauds, mais aussi on a eu des produits, et là je vais revenir un petit peu là-dessus sur cette frontière en fait peut-être des professions ou des offres qui ont été évoquées tout à l'heure, effectivement, et beaucoup beaucoup de boulangers ont commencé à cette époque-là à proposer des salades ou des choses qui n'ont plus grand chose à voir avec notre cœur de métier finalement, et là c'est peut-être là où il y a un débat assez intéressant à avoir par rapport à ce qui est juste ou pas, même si personne n'a fatalement une réponse universelle à cette question. Donc la demande des consommateurs à cette période-là, alors j'ai fait exprès de mettre une salade avec un produit qui n'est pas du tout boulanger pour illustrer un tout petit peu ça. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment beaucoup plus de variété dans les assortiments. Il fallait offrir du chaud et du froid. Disons la notion de rapidité présente, mais on commençait à parler de plus en plus quand même de notions nutritives ou santé, hein, par rapport à ces produits-là qui étaient, dans mes souvenirs, pratiquement inexistants dans les années 2000. Moi, j'entendais très, très peu parler de ça dans mes années de formation. Et puis, dans ces années 2010, on parlait passablement déjà d'une offre végétarienne et puis de répondre en fait à cette demande des gens qui voulaient plus consommer de produits carnés. Voilà, on arrive sur le deuxième ingrédient. Alors, je ne pouvais pas venir en France sans vous présenter un fromage suisse.
C'est étonnant, hein. Je sais que c'est surprenant. Donc, probablement notre fromage le plus connu est le Gruyère AOP, qui a obtenu une labellisation tout d'abord sous forme d'une AOC et ensuite d'une AOP à partir de 2001 pour l'AOC. Je crois que c'était autour des 2007 pour l'AOP, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'ingrédient principal, ou moitié-moitié, pour notre fondue au fromage. Et puis, ça me faisait rire de vous remettre en petit éclairage que le Gruyère n'a pas de trous. On parle souvent du Gruyère en Suisse qui a des trous, ce n'est pas vrai, c'est le fromage Emmental qui a des trous à l'intérieur. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet du jour, mais vu qu'on parlait du Gruyère, je trouvais sympa de vous rappeler cette petite anecdote. Et de ça donc, découle un autre produit ultra simple, alors, nous on l'appelle le ramequin au fromage, qui est un produit, vous ne pouvez pas rentrer dans une boulangerie en Suisse sans trouver ce produit-là, au même titre que le taillé au grebon, c'est vraiment un immense classique qui est pourtant très simple, hein, c'est une pâte brisée sous forme qui traditionnellement était beaucoup réalisée avec du saindoux, qui aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, se travaille avec le beurre, mais historiquement, c'était beaucoup travaillé avec du saindoux. Il est rempli avec du gruyère, du pur gruyère AOP râpé, et puis un appareil dedans pour la cuisson. Il se mange chaud et froid. Et puis là aussi, on a aujourd'hui vu toutes les déclinaisons possibles et imaginables, à prendre à l'emporter, effectivement chaud-froid, servi à table, servi dans les tea rooms. C'est vraiment un produit, alors encore une fois, très très basique, très simple, mais qui fait vraiment partie de notre ADN, hein, j'ai envie de dire, d'artisan boulanger en Suisse, et puis qui c'est impossible d'imaginer un assortiment dans une boulangerie sans ce produit-là. Voilà, on arrive à ce qui se passe aujourd'hui. Donc je l'ai mis comme ça. Pour moi, l'image est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à définir. Les attentes des consommateurs aujourd'hui demandent beaucoup, beaucoup plus de compétences de la part des artisans boulangers que par le passé, par la diversité de ce qui est demandé, autant sur les supports que sur les garnitures. Alors effectivement, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à apprendre, puis on a des beaux outils aujourd'hui qui vont être présentés pour nous aider dans cette recherche et puis dans cette avancée. Mais c'est vrai que les produits végétariens ou vegan aujourd'hui sont, c'est plus une option. Aujourd'hui, c'est un must. On est obligé d'avoir des alternatives pour répondre à ce type de consommateurs, au risque de les perdre ou de leur donner un ticket tout droit pour aller voir les grandes chaînes ou les gens qui ont su répondre à ça depuis plus longtemps que nous. J'ai aussi marqué que c'était un marché aujourd'hui, le marché du snack, qui est un marché qui est hautement compétitif. Il y a vraiment, on est soumis à la pression des différents délits, des stations-service, des supermarchés, des hard discounters, de tout ce qui peut de près ou de loin vendre un produit de boulangerie ou de point chaud. Effectivement, c'est un endroit qui est vraiment très très compétitif. Et puis je rebondis aussi sur ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure, la dernière ligne, où moi je fais le même constat, c'est qu'en fait la frontière, la barrière entre tous ces acteurs, tous ces corps de métier, elle est en train de s'effacer de plus en plus. Avant, c'était relativement aisé de faire la différence entre un traiteur, un boulanger, un pâtissier. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça est un petit peu mis ensemble, au risque peut-être qu'on perde un tout petit peu le nord. Certaines fois, on perd peut-être un petit peu nos repères ou une certaine forme de fil rouge du type d'assortiment qu'on doit proposer. Et en ça, en ce qui me concerne, c'est une analyse personnelle, mais je rejoins à 100% ce qui a été dit par Sylvain tout à l'heure, où je pense que c'est important qu'on garde notre ligne, qu'on garde effectivement notre ADN et notre identification comme artisan boulanger, parce qu'au final, on pourrait se retrouver à faire des assortiments de snacking qui n'ont plus rien à voir avec notre métier. Et puis là, je ne suis pas certain que c'est la ligne qu'on doit emprunter. Effectivement, jamais personne ne pourra dire si on avait tort ou raison, mais c'est un petit peu une conviction par rapport à ça. Donc aujourd'hui, la demande des consommateurs, effectivement, ils demandent des produits frais, ça paraît être une évidence. J'insiste beaucoup, je l'ai mis en gras sur le caractère local des produits. Pour nous, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans chaque demande, chaque discussion qu'on peut avoir avec un consommateur. Ils vont nous demander qui était le fournisseur, si on connaît le laitier, si on connaît l'agriculteur qui a planté nos céréales, si on a une filière courte avec les meuniers. C'est vraiment quelque chose qui est plus que d'actualité, c'est vraiment quelque chose qui devient aussi pratiquement un incontournable. Hein. Et puis, toujours cette notion un tout petit peu quand même de créativité qui doit revenir et rester dans nos produits. Donc nos consommateurs nous demandent ça. On doit aussi proposer un assortiment de l'ouverture à la fermeture du magasin.
ce qui est un challenge. Hein, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir une vitrine ou un achalandage qui tient la route quand on arrive à 6h le matin et qui a encore quelque chose à la fermeture le soir, tout en gardant cette fraîcheur, cette créativité et le caractère local et je dirais 100% naturel, hein, sans additifs de nos compositions. Et puis, un autre point qui me paraissait très important, c'est que ça, c'est un constat aujourd'hui, au mois d'octobre 2021, mais les habitudes et les attentes des consommateurs évoluent de plus en plus vite. Quand je parlais d'exponentialité de la courbe tout à l'heure, c'est à ça que je pensais, c'est qu'en fait, j'ai le sentiment qu'on attend toujours plus rapidement et qu'on a toujours moins de temps pour s'adapter en fait au changement et qu'effectivement, il y a des notions d'investissement, de formation, d'information, de communication là autour qui sont des fois des aspects qui sont extrêmement difficiles à gérer pour, disons, qui sont qui sont consommateurs de temps aussi pour les chefs d'entreprise ou les gens qui sont à la tête de ces réflexions. Et puis c'est vrai que c'est pas évident cette accélération du rythme est des fois ou parfois un petit peu difficile à assumer pour nos structures artisanales. Donc voilà. Donc le mot que je mettais à la fin, c'est que voilà, on a l'obligation aussi aujourd'hui de rester agile et réactif avec tous les challenges que ça peut engendrer. Je reparle d'un petit... Je n'ai pas tout à fait fini. Encore une minute, pardon. J'avais encore juste un autre petit produit parce qu'on parlait des produits salés. Je vais passer rapidement dessus. On propose aussi un produit qui est une salée à crème, qui est un produit de snacking incontournable pour les Suisses. Alors là, je le mettais un petit peu en plaisantant. C'est la même chose hein, en termes de nom, de recettes secrets, de légendes autour de sa création ou de son origine. On voit un peu tout, on entend un petit peu tout. C'est un produit qui, traditionnellement, aurait plutôt tendance à être sucré, voire avec de la crème acidulée. Il existe des déclinaisons salées aussi de ce produit dans certaines régions, notamment dans le Jura. Mais voilà, ça me paraissait sympa de faire un petit clin d'œil à un snack sucré. Et puis, pour finir, une pensée en quelques lignes sur ce que je pense de ce qui va se passer demain. Effectivement, on est dans un environnement qui va très vite. Tout bouge très vite, tout est interconnecté, la communication nous dépasse parfois un tout petit peu. Il faut rester créatif, il faut rester agile par rapport à ce qu'on fait. On doit être un petit peu audacieux dans ce qu'on va proposer pour rester sur la carte, comme j'ai marqué, mais disons pour rester dans les points de vue ou la ligne de mire de nos consommateurs. Et puis finalement, peut-être une réflexion encourageante, c'était de me dire que tous ces différents régimes, toutes ces choses qu'on nous demande ou qui sont attendues de nous aujourd'hui sont un petit peu un mal pour un bien, dans le sens où ça nous garde justement actifs et réactifs, puis surtout ça crée énormément d'opportunités pour les artisans, déjà des opportunités commerciales, mais aussi de montrer notre créativité et nos compétences, et puis je pense que ça c'est très très important. Et puis en bas, je finirai par une petite note en disant « Artisan bakers are here to stay », c'était de façon de dire voilà, on est là, on va rester, on est toujours là, et puis j'avais envie de finir sur une petite note positive par rapport à tout ça. Je pense qu'on a tous beaucoup d'avenir encore. Merci. On va vite voyager, on va faire un grand virage sur l'Inde. Et on va te tenir. Et on va écouter. Good morning. When the topic came, it was very difficult for me because it's a big country. It's a very big country. And quand on m'a demandé de faire cette présentation, je me suis dit que c'était un peu difficile parce que l'Inde est un très très grand pays. Je viens du Gujarat. C'est très difficile de parler de ces questions sans parler de l'histoire déjà de la boulangerie en Inde, parce qu'on a été colonisé par les Anglais, les Français, les Portugais. Donc c'est un très grand pays, 1,5 milliard d'habitants. Chaque village est déjà spécifique. Donc, le secteur de la boulangerie et de la restauration en Inde, c'est un secteur qui vaut 8 milliards de dollars et qui a un taux de croissance composé annuel de 9%. Donc, on a les biscuits et les petits gâteaux, les pains, les gâteaux et les pâtisseries, trois segments principaux. 72% de part de marché pour les biscuits et petits gâteaux.
Nous sommes le principal consommateur du monde, le troisième producteur après les États-Unis et la Chine. Les catégories devraient, cette catégorie devrait augmenter de 7 à 8% sur les 5 prochaines années. Les pains, 15% de part de marché, mais surtout des sandwichs et des pains qu'on achète en sachet et qu'on ramène à la maison. Donc le pain à l'occidental n'a jamais vraiment été considéré comme une denrée de base et ou essentielle en Inde. Je vais développer plus tard. Je pense que les naans, c'est vraiment le pain le plus familier en Inde. Pour les gâteaux et les pâtisseries, seulement 10% de part de marché, mais une forte croissance. Parce qu'avant, c'était surtout un encas de fête chez les élites, mais les élites dépensent du coup beaucoup d'argent sur ce type de produit. Donc l'industrie du pain et des biscuits s'est développée au début du XXe siècle pour répondre principalement aux besoins de l'armée britannique. Il y a plus de 35 États et territoires en Inde. Chacun a son climat, ses produits agricoles, son mode de vie. Tout est différent d'un État à l'autre. Et donc chacun avait déjà ses propres pains et ses propres snacks. La diversité culinaire fait partie des trésors de l'Inde. Il n'y a pas d'uniformité. Il n'y a pas d'uniformité gustative ou gastronomique du nord au sud. On a tous les types de pains, à la planche, rôti ou même à la vapeur. On trouve de tout en Inde. Donc l'industrie boulangère et du snack devraient atteindre les 13 milliards d'ici 3 à 4 ans. Donc un taux de croissance très fort. Donc si on peut faire des distinctions géographiques d'ensemble, dans le nord de l'Inde, on a surtout des pains plats, sans levain, avec des farines complètes ou raffinées, farcies avec des légumes, des fromages frais ou de la viande. Et on les trouve à emporter dans la rue, beaucoup. Et les pains basiques sont les naans, les paratha, les kulcha, les bhatura, les kachori, etc. Donc le blé pousse surtout au nord, d'où le fait qu'on fasse des pains à la farine de blé. À l'ouest et au centre, on est surtout sur des pains plus épais, comme les rotri et les bakri, qui sont faits avec du sorgho, du millet perlé, du millet rouge. Donc c'est pratique pour voyager. Ce sont des pains qu'on emporte surtout le long des routes parce qu'ils sont mélangés avec des herbes et des épices. Donc ils se conservent très très bien et ils sont parfaits pour partir sur de longs voyages, faire de la route. Au sud et sur la côte, là d'où je viens, le produit dominant, c'est le riz. C'est 5 minutes seulement pour parler de l'Inde, c'est vraiment très très court. Donc le riz est vraiment très populaire en Inde, surtout dans le sud. Parce que... Donc je parle un peu vite, je vérifie avec les interprètes si ça va. Quand j'étais jeune, le blé n'était pas vraiment un produit phare. On avait les lentilles, le riz, et on a fait des pâtes comme les dosa, les idlis, les uttapams, qui mélangent du riz et des lentilles noires. C'est quelque chose qu'on mange tous les jours. Parfois, on les mélange avec des légumes. Mais c'est quelque chose qu'on mange vraiment tous les jours. C'est un produit du quotidien. On trouve ça sur la route, on peut le manger au petit déjeuner, au déjeuner, le soir. Et ce sont souvent des pains qui sont fermentés et qui ensuite cuits à la vapeur. On peut rajouter de l'huile. Donc c'est très très facile à préparer et à consommer. Donc si on parle des révolutions depuis quelques décennies, depuis les années 2000, dans les années 70 et 80, on a connu un fort développement en Inde. Les Indiens, traditionnellement, mangent à la maison. De plus en plus, on voit des gens qui dépensent de l'argent pour aller manger dehors.
Mais avant, traditionnellement, on était la femme à la maison qui cuisine et le père qui va travailler. Donc on mangeait à la maison, on ne mangeait pas à l'extérieur. Mais le fait de manger à l'extérieur, dans les années 70-80, a commencé à devenir acceptable. C'est là que les restaurants se sont développés. On a une génération indépendante de travailleurs qui est arrivée dans les villes. L'urbanisation, l'occidentalisation sont devenues de plus en plus marquées pendant ces décennies. Et donc, la production est passée de l'artisanat à l'artisanal. À l'industriel. Donc, surtout pour les biscuits, les pains. Les biscuits ont commencé à devenir de plus en plus populaires. Mon mari m'a aidé à faire cette présentation, alors je ne connais pas par cœur. Donc, avant, quand on était malade, traditionnellement, on prenait un biscuit pour guérir. C'était la nourriture des gens malades. Maintenant, c'est devenu plutôt un type de fast-food très populaire pour toutes les tranches d'âge. Et l'Inde est devenue l'un des plus grands pays consommateurs et producteurs de biscuits. Les pains régionaux traditionnels ont revisité la notion de snack. On en a parlé de ces pains un peu plus tôt. Et c'est cela qu'on a utilisé pour développer les snacks, comme des burgers ou des pizzas. Nous, on utilise nos pains traditionnels et on met des garnitures, légumes, épices, viande, pour les paratas, kulchas, stuff, des naans farcis et d'autres sandwichs. Et les varapas, très très utilisés à Mumbai. C'est très salé. Et vous mettez un peu de garniture, par exemple, de la purée. Donc, c'est très, très populaire. Et il y a différentes déclinaisons. Pour tout ce qui est snack, on mange beaucoup de choses sucrées. Il y a les samoussas et les jalebi, qui sont plutôt sucrés. Donc, on a aussi du sucré-salé mélangé. Donc, les panipuris, les chas, les kachoris, ce sont vraiment des choses qui se mangeaient beaucoup dans les années 2000. Les gâteaux et pâtisseries, en revanche, sont plutôt restés un luxe. Plutôt dans les grandes villes et plutôt, oui, un produit de luxe. Et pour nos pains, dans les années 2000, quand j'ai commencé moi à travailler en 97. Dans les années 2000, on ne voyait les pâtisseries que dans les restaurants 5 étoiles, dans leurs pâtisseries et leurs restaurants. Donc ce n'était accessible que pour une certaine catégorie de la population. Le monsieur tout le monde ne pouvait pas s'offrir ce genre de pâtisserie. Ce n'est pas quelque chose qu'on ramenait à la maison. Mais c'est en train de changer, heureusement. Donc, les évolutions pour les années 2000. Dans les années 2000, il y avait aussi la question de l'accès aux ingrédients. Il y a beaucoup de marques qui ont voulu arriver avec leurs produits. Certains étaient faciles à utiliser. Par exemple, on n'avait pas des crèmes végétales. Nous, on n'utilisait que la crème pâtissière. Je sais que je m'écarte un peu du sujet, mais en tout cas, l'accès aux ingrédients a modifié notre façon de consommer et de préparer le pain. Vous savez, il y a tout un tas de produits laitiers qui ont commencé à se développer. Ça a changé un peu la donne. Donc, voilà ici quelques photos de nos stacks. Donc, le samosa. Donc, avec de la farine raffinée. Mais on a aussi beaucoup de pain plat. Le chaat, c'est un mélange de lentilles et de pâtes frites. Le kaju katli, le jalebi. Le kaju katli ressemble un peu au mazepan, si vous voulez. Et c'est aplati, avec du sucre glace dessus. Et on l'utilise beaucoup. Beaucoup de changements depuis, parce que les Indiens ont commencé à voyager. Dans certains pays, tous les ingénieurs sont indiens.
Et donc, on a beaucoup d'expatriés et qui découvrent d'autres choses et qui attendent, qui espèrent pouvoir retrouver la même chose quand ils reviennent en Inde. Donc, voilà, ils ont commencé à travailler à travers le monde pour le travail et les vacances. Et du coup, c'est une période de découverte et d'expérimentation en termes de gastronomie. Les chaînes internationales de fast-food sont arrivées en Inde, beaucoup. Les 10 enseignes principales ont ouvert plus de 5000 restaurants en 6 ou 7 ans. Ce sont les chiffres que vous voyez sur le tableau. Des marques indiennes emblématiques comme Modern, Britannia et Parler se sont devenus les leaders mondiaux de l'industrie boulangère et de la biscuiterie. Donc nous sommes le principal fabricant. Mais les consommateurs découvrent aussi les pains aux céréales qui sont plus sains. Donc les gens sont de plus en plus conscients, ils veulent des choses plus saines, ils veulent des ingrédients plus sains. Donc on va utiliser plutôt des graines locales. Mais l'industrie du pain a besoin de gros volumes, c'est une industrie qui a une faible marge et les produits qui périssent rapidement. Donc il y a la question du prix et des volumes. Donc là encore, quelques images du type de produits offerts par ces... Bon. Donc Britannia Rusk, ce sont des biscottes en gros. Donc on prend un pain, on le déshydrate. Alors je dois avancer un petit peu parce que on va manquer de temps. Donc les évolutions pour 2020 et après. Donc le simple pain quotidien est en pleine transformation. On passe d'un sandwich de pain blanc à des pains de nouvelles couleurs, formes, valeurs nutritionnelles. Les pains spéciaux sont arrivés. L'alimentation naturelle, la vie saine, les produits bio, voilà ce que veulent les consommateurs aujourd'hui, même pour leurs encas. Il y a même des marques qui ne font que des pains spéciaux. Et il y a eu une obsession pendant la quarantaine de faire des pains au levain. Et certains ne parlent plus que de ça. Il y a des créatrices d'entreprises qui ont envahi le monde des startups. Donc on a, pour les pains spéciaux, on a des petites boulangeries, des grandes. Il y a une vraie demande. Les gens sont prêts à payer pour avoir des pains spéciaux. Et pour les entrepreneurs, les pains artisanaux et les produits associés font vraiment partie de la gamme. Et c'est important, notamment pour le travail qu'on fait avec les ambassadeurs. Il y a des entreprises innovantes avec des capacités de R&D comme Puratos qui arrivent en Inde et qui font des saveurs customisées, on va dire, pour nous. Ils adaptent les produits à nos consommateurs. Donc, ils rajoutent des saveurs dans les pains. Je vais passer cette slide parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais on pourra parler plus avant de nos pains plus tard. C'est très difficile de ne pas parler de nos produits typiques. Mais je vais vous en dire un peu plus sur ce que moi je fais. Donc, le marché artisanal se développe avec des pains levain, des pains complets, différentes saveurs. Il y a vraiment une tendance. Les artisans boulangers se concentrent sur des variétés de pains traditionnels qui sont de plus en plus populaires. Vraiment une forte croissance rapide. En 2020, l'Association du commerce biologique a fait un sondage qui a montré que, bien que les produits frais dominent le marché, le pain et les céréales représentent 11,4% de ses ventes. Et l'Association du commerce bio a noté que les ventes dans la catégorie pain et céréales représentent 5 milliards d'euros, soit une augmentation de 6% depuis 2018. Donc là, voici ma fille et moi. Et je lui ai dit, fais-moi les photos des meilleurs pains. Et ce qu'elle voulait vous présenter. Donc, ce qu'on fait, c'est que moi et ma sœur, on a fait surtout de la pâtisserie, parce que c'est là qu'il y a vraiment de l'argent à faire. Mais on a aussi commencé à faire des pains. Donc, la pâtisserie, c'est plus un système de livraison à la carte, livraison, commande en ligne et livraison. Donc le coronavirus
n'a pas trop impacté du coup cette partie-là de mon activité. Et j'ai 6 pains sur mon menu. Comme je l'ai dit, j'ai aussi vu que on a une culture qui est en pleine croissance. J'ai aussi des employés, des gens qui travaillent pour moi qui sont très passionnés par le pain. Et pour voir le côté positif, il y a des concurrents comme Amazon qui font de la livraison alimentaire sur d'autres. On a des plateformes en ligne. Il y en a une qui s'appelle Farmizen qui ne fait que des produits biologiques. Donc, et à Bangalore, par exemple, ils ont une clientèle de plus de 700 à 800 personnes. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens passent commande la veille. Pendant la nuit, on boulange. Et ensuite, on peut livrer. Et nos clients savent qu'ils peuvent commander du pain frais en ligne et que c'est livré frais. Donc, il y a toute une question de planning. Oui, il y a un marché. Parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques pour préserver nos produits. Et les gens savent que c'est naturel. Il y a d'autres acteurs sur le marché. Je n'ai pas eu le temps de rajouter d'autres photos, mais il y a, que je connais personnellement, il y a au moins 4 ou 5 passionnés. Si vous regardez French Toast à Bangalore, il y a plusieurs personnes passionnées qui ont cette même tendance. Mais tous ont un magasin vitrine. On n'est pas forcément que en ligne. Et quand j'espère pouvoir vous présenter les photos de notre vitrine physique un jour. Merci beaucoup. C'est très frustrant de devoir arrêter, mais je pense qu'on va pouvoir mettre votre présentation en accessibilité à tout le monde, parce qu'il y avait énormément de choses. Le pays est très grand, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à dire et à voir. Il y a des chiffres intéressants et assez impressionnants, je trouve. Et aussi des choses sur des orientations produits qui nous laisse en tout cas réfléchir sur certaines orientations. Alors on va changer de coin. Alors attention, on a 5 minutes normalement par présentation. On va essayer de reprendre un petit peu notre timing. On va aller en Ukraine maintenant et on va écouter, c'est Bogdan, c'est ça ? À vous. We have just five minutes. Ok, check. La télé commence ? Oh sorry, yes. The green. To put one. Добрый день. Bonjour. В течение 5 минут я расскажу вам, как менялись сэндвичи и. Donc pendant 5 minutes, je vais vous présenter le développement de snacking en Ukraine. Начнём. On va commencer. В течение, смотрите, в 2000-х годах после в 2000-х годах после того, как Украина отделилась от Советского Союза, у нас был небольшой спад хлебобулочной промышленности, и у нас были популярные такие дешевые изделия, такие как называются пирожки для бедных. Вот, они были простая выпечка, они были приготовлены из простого теста и с добавлением там овощей, мяса, фруктов. То есть эта выпечка была доступна всем людям, которые могли себе позволить хоть какое-то там покушать что-то. А можно? Я приду. Après la séparation de l'Ukraine de l'Union soviétique, au cours des premières années de l'indépendance, la production de boulangerie sur le marché du pays a diminué en raison de la détérioration de la situation démographique. Alors la meilleure proposition, c'était les pirojki que vous voyez sur le slide, petite galette farcie. Le snack des décennies pauvres, le moins cher possible, pâte simple, cuite et frites. Les garnitures comprennent tout ce qui était disponible au bon marché, des légumes fermentés, des intestins, confiture de fruits, les œufs. Также были так называемые ложные хот-доги, которые делались из того же теста сдобного и как заматывались спиралькой в сосиску. Это было просто. И доступно, и это можно было либо выпечь, либо пожарить во фритюре. И также, например, они начинялись разными начинками. У нас было популярно, это, например, рис с зеленым луком и с яйцом. Donc après les hot-dogs et hamburgers qui étaient inspirés de l'Ouest, mais moins cher, le moins cher possible, dirons. Hein. Pâte simple, cuite et frites. Les garnitures comprennent tout ce qui était donc disponible toujours au bon marché. Hein. Et vous voyez sur
sur le photo, que c'était toujours les fruits, les œufs et donc les intestins. Et peut-être aussi les saucisses. Ouais. Также Украина это была житница при Советском Союзе, и у нас в основном был популярен ржаной хлеб и так называемые бутерброды. Это было просто хлеб с маслом, не пожаренным. Можно было делать дома, и как бы оно сервировалось с разными там намазками, колбасными изделиями, и было также доступно всем. Donc l'Ukraine à l'époque était le grenier de l'Union soviétique et il y avait beaucoup de blé, beaucoup de céréales. Donc et butterbrod, c'est pain et beurre non grillé, fait maison, servi dans les cantines et surtout pour contrer l'effet des boissons alcoolisées fortes. Simple et rapide, habituellement avec de la viande, du poisson ou du fromage et favorisé par les personnes qui boivent. Специальный, особенный ингредиент моей страны, это первое, это было сало украинское, это свиной жир с небольшой прослоечкой мяса, которое было идеально подходило к черному хлебу, ну и еще чуть-чуть самогона нашего украинского. Donc, ingrédient spécial pour l'Ukraine, c'est сало, le gras de porc salé ukrainien, qui se marie bien avec le pain noir, et, bien sûr la vodka maison qu'on appelle самогон. Après, vous voyez là, pain avec tulka, c'est des petits anchois. Вот обратите внимание, есть маленький бутерброд с рыбкой. Это специалитет нашего юга, это город Одесса, откуда вот мой переводчик. Вот и вот такие маленькие бутерброды вот с тюлькой, либо форшмак, это перебитый мусс из селедки с добавлением картофеля и лука. Вот такие намазки популярны у нас на юге Украины. Donc vous voyez que les petits anchois traditionnellement servis dans le sud de l'Ukraine, de la ville d'Odessa, notamment d'où je viens, c'est au bord de la mer Noire, donc tulka est proprement donc dans la mer Noire, et c'est très traditionnel aussi pour le sud, tout le sud de l'Ukraine. На протяжении много времени у нас оставался продукт специальный, это сало и пироги, которые нарезались. Они могли быть вегетарианскими, либо с мясом, либо с ягодами. И как бы вот такие пироги, они составляли основной доход в крафтовых таких, в маленьких пекарнях. Donc, à part Salo, on servait beaucoup dans des petites boulangeries des pirogues, donc des tourtes ou des gâteaux, qui étaient servis par portions. Что могли, в 2010 году у нас было, в принципе, такое влияние Запада. Это, например, открылся первый Макдональдс. И все стали делать как бы бургеры, открытые такие сэндвичи. И под влиянием также Востока была у нас шаурма, кебаб и тому подобное. Donc, en 2010, c'est le premier McDonald's qui arrive en Ukraine. Et donc, des véritables sandwichs, des hamburgers, des pizzas ont été introduits de l'Ouest, diront, alors que les gens sortaient de pauvreté. Et donc, si on regarde l'Est, c'est les kebabs qui sont arrivés aussi dans le marché de l'Ukraine. Также в 2010 году был популярен тостовый хлеб, из которого делались ваши французские так званые крок-месье. Вот, и также были популярны, потому что начиная с 2000-х по 2010 год это было, все смотрели в сторону Запада, в сторону Европы. Вот, и в принципе ну, копировали как бы, и старались повторить вот, ваши, ну, подачу сэндвичей, подачу снеков, только с использованием украинских ингредиентов. Et alors, le croque-monsieur qui arrive en Ukraine aussi avec le pain de mie. Et bien sûr, tout le monde regardait l'Europe, la France, et tout le monde en Ukraine essayait de copier un petit peu tout ce qui se passait sur le marché français, donc d'ici l'apparition de pain de mie. В 2010 году, как я говорил ранее, был распространен бургер. В принципе, он актуален и по сей день. И вот кебаб, который ассоциируется, ну, стритфуд в основном, актуален и по сей день в Украине. Comme je l'avais déjà dit, burger a fait sa apparition en tant que kebab, qui sont toujours très à la mode en Ukraine. Стритфуд также меняется. Он раньше у нас было, например, вот восточный стритфуд. Теперь мы делаем более украинский. То есть мы адаптируем вот эти вот начинки наши украинские, вот в бургеры, в шаурму, вот такой план. Mais le street food aussi, ça change parce que nous utilisons maintenant plus de produits locaux pour la garniture.
На сегодняшний день, начиная с 2017 года, у нас тренд стал круассан-сэндвич, нарезные пироги, и в принципе это было для нас очень в диковинку, потому что в Украину стали заезжать иностранные шефы, показывать мастер-классы по выпечке, по хлебу с использованием закваски, длительного брожения теста. И на основе вот этого вот хлеба мы начали делать круассаны, на основе этих мастер-классов мы начали делать круассаны, начали делать хлеб и, в принципе, делать, вот, адаптировать под наших потребителей это все. À partir de l'environ 2017, il y a plusieurs chefs étrangers qui arrivent en Ukraine avec des masterclass et présentations. Et ils nous montrent comment on peut travailler avec le levain, différent, et comment avec ce levain on peut travailler la pâte. Donc c'est la boom des croissants qui a commencé dans les années 2000. Les tendances modernes se développent et le croissant sandwich est à l'honneur. Voilà. И на сегодняшний день также в Украине начали открываться приватные такие частные маленькие пекарни, которые используют дровяную печь, и все пекари теперь хотят работать с хорошими продуктами, делать качественные снеки, хлеба, использовать цельнозерновую муку. Ну, то есть в основном в Украине сейчас идет это все на оздоровление человека, вот, и учитывая потребности организма каждого. Maintenant que le public s'est habitué à une meilleure qualité, tout bon boulanger doit fabriquer des produits de panification avec levure naturelle, ingrédients de qualité, poils spéciaux, par exemple poils à bois et pâtes multicéréales. Также на сегодняшний день мы делаем нарезные пироги, они, в принципе, которые заменили дешевые маленькие пирожки, но это более сделали, оздоровили, более добавили туда здоровые ингредиенты, и они сейчас популярны стали во всех пекарнях. И они приносят основной доход нашим пекарням. Et maintenant, les tartes découpées ont largement remplacé les pirochki dont on parlait au début, qui étaient très bon marché. Et donc, il y a une multitude de garnitures plus savoureuses et plus saines, surtout, ainsi qu'une meilleure texture. Et comprennent la majorité des ventes dans la plupart des boulangeries ukrainiennes. На сегодняшний день все равно остаются популярные круассаны, сэндвичи из круассанов, а также соленые даниши с местными локальными ингредиентами, например, сыр, грибы, мясо и тому подобное. Maintenant, on peut dire que les croissants, les sandwichs croissants sont toujours très populaires, mais on utilise beaucoup des produits locaux, tant que du jambon local, des champignons, etc. Как я говорил ранее, что у нас сейчас тренд в Украине – это локальность и воспроизведение старых рецептов и технологий. И на сегодняшний день у нас популярный продукт – это шовдарь, это вяленое мясо, только используют такое подобие на как пармск, как хамон, вот, только используется другая технология вяления, вот, и кровяная колбаса. Donc, comme j'ai déjà dit, le trend en Ukraine maintenant, c'est des produits locaux. On utilise beaucoup de viande, parce qu'en Ukraine, on aime la viande. Chauvdar, par exemple, c'est une sorte de viande fumée. C'est viande de porc, ça ressemble un peu au ramon. Et donc, on utilise aussi les grains de courge, betteraves cuites en sel. На сегодняшний день у нас идет упор идет на здоровье, на сезонность, на локальность, и упор также ведется на веганов и вегетарианцев. Donc aujourd'hui pour tout est fait en Ukraine pour les gens, pour que les gens soient contents, donc on utilise beaucoup de produits vegan, végétariens pour nos clients qui ne mangent plus de viande. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Ah, merci beaucoup. Thanks a lot. Merci, merci beaucoup. Il faut vraiment qu'on puisse retrouver tous ces supports pour qu'on puisse les revoir après. On verra avec Amélie comment on pourra les consulter. On part au Brésil. En 5 minutes, on va essayer de faire un petit tour sympa du marché. Thank you for invitation. I'm Johannes. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis Johannes Rousse du Brésil. Je sais que je n'ai pas un physique très brésilien, mais je suis quand même brésilien. Je vais maintenant vous présenter la situation locale.
J'ai divisé les snacks en trois catégories. Les snacks sans levure levain, ceux à base de levure levain et les sandwichs. Ce qui est très commun chez nous, c'est très courant chez nous, ce sont les petits pains au fromage. La première image en haut à gauche. Il y a un produit que tout le monde connaît au Brésil. Ce qui est très consommé, c'est les coxinha. Ce sont des petites croquettes au poulet. Et également les petits feuilletés que vous avez à la droite, les empadas. Ce sont donc des sortes de tourtes feuilletées qui sont fourrées au fromage ou au poulet, par exemple. On peut voir qu'il y a une petite influence française vu la forme de ces petits beignets, les beignets qu'on voit en bas à gauche. Donc, ce sont des sortes de beignets frits. Ah, je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Les snacks à base de levure ou levain sont très courants au Brésil. Le plus courant, c'est le pain à base de patates. Donc, c'est une sorte de pâte à pain fourrée à la purée. Et on peut rajouter du fromage, de la crème. Il y a aussi les esfihas à droite, qui sont des produits très courants. Et un autre produit très populaire, c'est les petits pains grillés que vous voyez en bas à gauche. Pão na chapa. C'est quelque chose qu'on mange souvent au petit déjeuner, par exemple. Et finalement, joelho, en bas à droite, ce sont des sortes de pâtes à pain qui sont fourrées avec du jambon et du fromage. Les sandwichs sont normalement réalisés à base de petits pains. À São Paulo, par exemple, on peut les fourrer avec des œufs, avec de la viande de bœuf, de la viande de porc. Et par exemple, nous avons aussi des saucisses qui sont insérées dans du pain, des hot dogs. L'autre produit phare au Brésil, c'est le pão de queijo. C'est une sorte de pain au fromage. C'est quelque chose de très courant, qui est très consommé au Brésil. Par le passé, nous avions des petits encas entre les repas. Et comme vous le voyez sur mon slide, maintenant nous avons des snacks, des encas, plutôt en tant que repas en fait, au déjeuner et au dîner. J'ai mis ce petit encart en bas pour montrer la situation en France et au Royaume-Uni, mais c'est un peu la même chose chez nous. Nous ne prenons plus le temps de prendre de vrais repas, des longs repas. Et donc, nous nous reposons beaucoup sur les snacks. Nous voyons que la part des snacks salés augmente beaucoup. Et quelle sera la situation demain? Nous voyons beaucoup de... beaucoup de céréales et de graines sont insérées. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Donc il y a beaucoup de céréales et de graines qui sont introduites dans les pains. Demain, ce qui va être la situation courante, mais qui a déjà commencé, c'est tous les snacks vegan, à base de carottes, par exemple, de betteraves. Pour les petits pains grillés, il y a déjà une grande offre de petits pains grillés aux céréales complètes et aux graines, mais nous sommes aussi en train de développer des petits pains qui sont fabriqués à partir de
plantes ou de légumes. Et le levain, c'est quelque chose qui va être de plus en plus utilisé également. Au Brésil, les boulangeries fabriquent majoritairement du pain. Mais pour les grandes boulangeries, il y a une grande variété de produits. Environ 60% des boulangeries au Brésil proposent un espace snacking. Et ces boulangeries essayent d'introduire des produits plus sains. Avec la crise du Covid, nous avons remarqué que les gens allaient de plus en plus aux boulangeries. Comme vous savez, il fait chaud au Brésil et les gens, ils aiment passer du temps dehors, dans les rues. Donc, les encas, les snacks, c'est vraiment quelque chose d'adapté à nous. Et si nous arrivons à intégrer de nouvelles saveurs, des graines, ça va vraiment améliorer et élargir notre offre. Au Brésil, le problème, c'est que les gens ne veulent pas payer plus pour de la meilleure qualité. Parce que si on intègre ce genre d'ingrédients de qualité, c'est plus cher pour nous. Mais les Brésiliens ne veulent pas payer pour cela. Donc, c'est un beau défi à relever. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup. Très intéressant. La notion aussi est intéressante sur l'évolution et du prix et des produits. Intéressant. On part en Italie. Et merci. Alors, on est sur un format très court. On vous écoute. Merci. Alors, bonjour à tous. Comme on dit, dulcis in fundo. Et donc, on commence à parler un petit peu quelle qu'il est la restauration dans les boulangeries italiennes. Est-ce que vous avez... Ah, ok. Ah, ok. Merci. Merci. Ok. Donc, le marché de la boulangerie est désormais polarisé vers deux extrêmes, la boulangerie artisanale et la bakery café. Les deux marchés sont distincts en tant que concept de magasin. Le premier est un véritable four qui fait de la qualité du pain par l'utilisation des matières premières sélectionnées sa force. Le second est un concept commercial qui, partant du pain et du levain, propose plus généralement un service d'administration, principalement urbain, tout au long de la journée. Dans le bakery bistrot, café, desserts et plats rapides sont proposés. Ce ne sont pas des bars, mais des laboratoires où tout se fait sur place. Dans les boulangeries multiformat, l'offre boulangerie reste motrice, mais s'enrichit de celle de la cafétéria et du bar avec restauration pour répondre aux différents moments de consommation. Petit déjeuner, collation, repas rapide et apéritif. De nombreuses bakeries bistrots ont spécialisé et diversifié l'offre, notamment dans les heures de petit déjeuner. D'autres proposent à la place un service de restauration. D'autres encore ont élargi l'offre pour le temps de l'apéritif, également en fonction de la taille du magasin et de l'endroit où il se situe. Les différences entre le nord et le sud, historiquement tournées vers la boulangerie et les rôtisseries à importer, s'atténuent. Les nouvelles ouvertures concernent principalement des bakeries café avec restauration. Ces dernières années, il y a eu une diffusion sur tout le territoire national des boulangeries avec administration, même dans les banlieues où il y a plus de place et où la concurrence des bars est moins forte.
les magasins deviennent de plus en plus accueillants. La boulangerie redevient un point de rencontre du quartier, fréquenté également par les jeunes. De nombreuses bakeries bistrots sont fortement caractérisées, ne proposant que certains types de plats, uniquement des entrées ou uniquement des plats végétariens, tandis que d'autres s'adressent à une clientèle exigeante, pressée et très variée. La carte est donc plus qu'hétérogène. De nombreux plats proposés s'inscrivent dans la tradition et le coût par rapport à un restaurant traditionnel est bien moindre. Et donc, à côté des sandwichs, comme c'est la chose importante pour un boulanger, on a aussi des pizzas, des focaccia et des tartes salées pour une consommation plus rapide et généralement à emporter, mais aussi des spaghetti et différents sortes de pâtes, toujours très appréciés au déjeuner. Parmi ces derniers, les hamburgers ou les escalopes milanaises avec des pommes de terre, frites ou au four, sont très courantes. Avec du bon pain, bien sûr. Hein. Mais la consommation de plats végétariens et végétaliens, de plus en plus demandée par les clients, est également en forte croissance. Les salades ne manquent pas à exploiter comme un seul plat et bien évidemment accompagné des ingrédients les plus disparates, généralement sains et tendances. En parlant de mode, la dernière nouveauté qui règne dans les villes italiennes les plus grandes et les plus multiethniques sont les pokeballs d'origine hawaïenne, c'est-à-dire des plats de riz servis avec du poisson cru, des fruits et légumes. En fin de repas, les tartes et tiramisu ne manquent évidemment pas, qui restent les desserts les plus consommés par les Italiens. Et pour tout terminer, un cappuccino. Merci. Merci pour la présentation au pas de charge et on aimera la retrouver. On a trouvé plein de points très intéressants dans votre présentation. J'appelle tout de suite, peut-être on va revoir notre... Je remercie tous les intervenants, évidemment, hein, d'avoir fait leur présentation. Et merci beaucoup d'avoir essayé de tenir le timing. Alors, on va appeler pour la table ronde nos trois monsieur Prochasson, s'il vous plaît, Caroline Masson et Sébastien Ripari, s'il vous plaît, venez me rejoindre. Bonjour. Alors, on a plein de questions pour vous. Ça nous a évidemment donné plein d'idées, plein de choses à vous proposer. Non, c'est bon, je regarde. Alors, évidemment, cette table ronde a pour but un petit peu d'être aussi interactive. C'est-à-dire que si dans le public, vous avez des questions, des choses, il ne faut pas hésiter. Levez la main avant, par exemple, pour qu'on puisse vous donner la parole. Alors, moi, j'ai vu plein de choses dans ces présentations qui étaient très complètes. Ça partait un petit peu dans tous les sens. Alors, on a ici des talents différents. Ça va de la nutrition, la formation, la gastronomie. Et on a, je dirais, des questions qui arrivent tout de suite. C'est ce monde du snacking. Ça va permettre un petit peu aussi de vous donner la main et de vous présenter et puis de nous donner pour vous quelle est votre vision et puis en quelques mots quel est l'impact et la vision que vous en avez de ce snacking pour demain. Peut-être on va commencer par vous pour la partie formation notamment où ça nous interroge parce que il faut des talents maintenant, il faut qu'on travaille ce snacking, on a vu qu'il y avait beaucoup de travail à faire là-dessus et qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je me présente d'abord, Fabrice Prochasson. Donc, moi, je suis meilleur de France en cuisine en 1996. J'ai été aussi vainqueur du Bocuse d'Or en 2013 avec Thibaut Ruggeri.
Et dernièrement, avec David Tissot, on fait partie aussi des couches techniques. J'ai travaillé pendant 30 ans à la Maison Le Nôtre, sur tout ce qui était formation, on va dire développement produit, opérationnel, au point de vue international, sur tout ce qui est réception, boutique aussi. Et j'irai tout ce qui est grands événements sportifs dans le monde et politiques aussi. Donc voilà, c'est assez large. J'ai travaillé 4 ans pour Sodexo Prestige également, sur les appels d'offres et justement sur ces métiers du snacking, qui étaient très importants dans le groupe. Et aujourd'hui, je crée beaucoup aussi de cahiers de tendance sur les métiers justement d'aujourd'hui, la restauration, la pâtisserie, la boulangerie, du snacking. Le snacking aujourd'hui, de toute façon, c'est pas nouveau entre guillemets. Hein. C'est certainement le restaurant qui voyageait le mieux à travers le monde. Avant nos restaurants en France, naturellement, c'est le street food. Hein. Le street food, c'est le snacking qui, de toute façon, vit depuis des siècles et des siècles. Je dirais, ça a toujours existé. Donc, je dirais, c'est pas nouveau pour moi. Je voyage beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la Covid, entre guillemets, a accéléré les mouvements en Europe, naturellement, sur le temps de consommation. Je pense que avant la Covid, 2018-2019, déjà en France, il y avait des changements importants qui s'étaient passés. On était passé de 3 ans et demi de consommation à 4, voire 5. Après la première série de Covid, on va dire, on était passé à pratiquement 7 et aujourd'hui pratiquement à 9 temps de consommation. On consomme toute la journée, de 4h le matin à minuit, sans oublier le frigo vide, hein, souvent qu'on utilise aujourd'hui mal, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais c'est un terme qui est assez important, et une solution aussi technique. Aujourd'hui, c'est clair que si on prend l'analyse globale, la consommation mondiale, de toute façon, on mange par petites étapes, plusieurs fois dans la journée. Le repas dit à la française, déjeuner, dîner, risque, malheureusement, je dirais, de disparaître un petit peu. Après, c'est à nous de le mettre en place via la restauration, hein, parce que c'est pas pour ça qu'on ne doit pas le faire. Et en plus, si on prend le côté indépendant, donc les artisans indépendants, c'est pour moi eux qui ont mieux perçu et compris cette tendance, et c'est les boulangers les premiers, en France, hein, je pense même en toute l'Europe, français, qui ont vraiment cerné ce besoin de consommation, d'apporter des solutions justement pour à la fois le brunch, je dirais vers 11h, prendre des encas, avant le déjeuner qui était plutôt le snacking tourné au départ des sandwichs, après on a mis des quiches, on a mis des croque-monsieur, on a mis pas mal de choses. Mais après, maintenant, on a l'afterwork à 16h. On a même l'afterwork à 19h, maintenant, qui est plutôt autour des petites tapas, des bouchées, où là, c'est du finger food, on mange du bout des doigts. Et là, les boulangers ont un gros boulot à faire. Et après, il y a le dîner le soir, mais qui est un dîner qui est beaucoup plus long. Et je pense que là-dessus, c'est très important. Mais moi, surtout, ce qu'on n'a pas abordé ce matin, je trouve, alors c'est ta but, naturellement, mais c'est qui est le consommateur et qu'est-ce qu'attend le consommateur. Parce qu'aujourd'hui, la crise a fait beaucoup évoluer les choses. Aujourd'hui, on a à peu près 7 à 9 consommateurs différents. Ce qu'on peut retenir par rapport à ce qu'on a vu sur la vision européenne, c'est que de toute façon, le snacking est devenu de plus en plus access. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est important parce qu'aujourd'hui, qu'on soit riche ou pas riche ou même pauvre, entre guillemets, tout le monde veut manger à l'extérieur. Tout le monde a envie d'aller acheter son sandwich sur ses petits tapas et manger en dehors de la maison. Et là-dessus, les marchés sont énormes. Le potentiel de business, il n'y a pas de frein, entre guillemets, pour moi, il n'y a pas de limite. Après, il faut faire la cuisine de plus en plus saine, automatiquement, RSE, le cavor, ça, c'est la richesse des indépendants. Les boulangers, ils ont un vivier autour de chez eux, à 30 km maximum, entre les maraîchers, entre les éleveurs de volailles, ou même les laitiers ou autres. De toute façon, il faut l'utiliser au maximum, justement, pour apporter des solutions sur des produits pas spécialement très chers, mais pourtant bien travaillés, nourrissants, avec leur expertise, naturellement, des pâtes. Oui, c'est vrai que là, ça nous... Mais c'est intéressant, cette notion de jusqu'à 7 à 9 temps de... C'est vraiment un point important pour nous. Qu'est-ce que ça inspire au niveau de la nutrition, tout ça? Alors, c'est... Ça doit marcher. OK. En fait, c'est vrai que depuis ce matin, on parle de consommation et de moments de snacking, et le pain est au cœur de cette consommation. On le voit, les modes de vie ont changé au fur et à mesure des générations. Les gens se nourrissent différemment. Et qui mieux que le boulanger peut proposer une offre de snacking, mais nutritionnellement acceptable. Attention, on ne dissocie pas non plus le plaisir. Hein. On associe la nutrition au plaisir. Ce n'est pas une punition que de choisir un snacking
nutritionnellement correct. Et je pense que justement tout le savoir-faire de nos artisans boulangers et de vous tous, c'est vraiment de savoir allier et associer les bons éléments et les bons ingrédients. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des recettes, et notamment des recettes qu'on va avoir et découvrir ensemble au cours de ces trois jours, on peut voir que le savoir-faire, c'est justement d'allier les céréales, les légumineuses, et de correspondre vraiment aux besoins d'un consommateur tout en lui garantissant du plaisir et une bonne gastronomie. Et effectivement, on a vu sur les différents pays, tout le monde a présenté finalement des notions qui sont assez transversales. Les personnes aussi souhaitent bien se nourrir, et quand je dis bien se nourrir, c'est que ça corresponde à leurs besoins et leurs envies. Le vegan est une vraie tendance, et on peut le voir, on peut avoir une ration équilibrée dans un régime vegan, et tout le savoir-faire du boulanger, c'est bien de mettre à disposition une offre équilibrée. Et c'est vrai que certains ont, on va dire, un aspect marketing très visible et des allégations nutritionnelles très visibles, mais finalement, qui de mieux que le boulanger, que l'artisan, pour défendre lui-même et expliquer comment il a construit sa recette et comment il a construit son offre de restauration boulangère. Et je pense que c'est tout l'intérêt, en fait, d'échanger avec vous aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Après, derrière, aujourd'hui, on se pose des questions en tant que les artisans. C'est comment communiquer cette nutrition sans rentrer peut-être dans le Nutri-Score sur la baguette ou sur le sandwich. Mais en effet, comment, je dirais, d'un coup d'œil, parce que les sandwichs sont de plus en plus cuisinés. Hein, on y met beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients, de savoir-faire, d'assaisonnement. Mais et finalement, on se retrouve sur des plats. Hein, et de la cuisine. Oui, c'est ça, c'est de la cuisine. Et on est aujourd'hui, on va avoir besoin de rassurer le consommateur sur les filières, tout ça, mais sur la nutrition, qui est un point où on a vu, on voit les orientations véganes, végétariennes, et tout au long, je dirais, ce snacking, parce que moi, ce qui m'a plu aussi sur la présentation rapide de l'Italie, c'est le monde de l'apéritif. Le cappuccino à la fin, mais on a vu aussi le goûter qui revient, le brunch. Aujourd'hui, les restaurateurs se sont lancés, les belles tables se sont lancées dans le brunch. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Et ça devient un vrai moment snacking et en famille, là. Hein, le brunch le week-end. Le principal, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de partage. Je pense qu'on a été privé pendant 2 ans. Même un petit peu avant, parce qu'avant on avait quand même les gilets jaunes, on a eu les grèves aussi. Donc les gens aujourd'hui ont besoin de se retrouver, parce qu'on est jour et nuit avec nos téléphones, nos iPads, et nos Teams et Zoom et autres. Et je pense que maintenant, le plus important dans la vie aujourd'hui, c'est se retrouver. Et quand on veut se retrouver, on veut partager. Et si on reprend entrée, plat, dessert, on ne partage rien. Si on prend justement cette idée de tapas, de mezze, enfin de tous ces petits plats, en fait, on prend un grand plat, on partage, on va tout le temps mettre au centre de ça une boisson, que ce soit gourmande ou alcoolisée ou pas alcoolisée, ou une bonne limonade française, hein. C'est aussi intéressant. Et après, c'est justement, c'est comment on peut continuer à vivre et décider du temps qu'on passe à table aussi. On ne veut pas être brimé, on reste 4 heures pour manger 2 plats. Ah oui. On a vu que le temps de repas, hein, notamment le midi, c'était vraiment restreint. On reviendra à vous taquiner sur l'aspect nutrition, pardon. Maintenant, j'aimerais voir un petit peu les tendances avec Sébastien. Aujourd'hui, selon vous, les orientations, je dirais, un petit peu de ce snacking et de cette restauration boulangère, comment vous l'apercevez dans votre métier, dans votre conseil aujourd'hui? Comment vous l'abordez? Alors, je vais revenir en arrière parce que, d'abord, bonjour à tous, je suis Sébastien Ipari, le fondateur du Bureau d'études gastronomiques. Moi, j'ai été très agréablement surpris par la qualité des présentations des boulangers, des ambassadeurs internationaux. J'ai trouvé qu'ils avaient des analyses du marché percutantes, ils avaient compris. Et il y a une chose qui m'a amusé il y a quelques années quand on travaillait en boulangerie. Alors je mets des guillemets, m'en voulais pas, mais les photographies souvent elles étaient assez archaïques, assez mal faites. On communiquait pas bien, on prenait une photo dans un coin. Même si certains n'ont pas fait les photos, ils ont été sourcés des images fortes, puissantes. Donc on voit que la communication autour de la boulangerie progresse. Vous avez fait des outils de communication comme Instagram, comme Facebook, vos alliés de plus en plus. Et ça, c'est une part importante du devenir de la boulangerie. Et puis, il y a une deuxième chose, moi, qui m'a fasciné, c'est que le commerce de proximité préféré des Français, c'est le boulanger. Alors, le boulanger, c'est un peu comme chaque année, on dit
On va élire le plus grand acteur préféré des Français, on va élire le présentateur télé. Ça vous donne une légitimité et ça vous donne des responsabilités. Et les responsabilités sont importantes parce que quand on parle boulangerie, on fait un bloc du boulanger. Face à moi, à côté de moi, j'ai des boulangers, des meilleurs ouvriers de France, des gens qui aiment la panification, qui aiment le vrai pain, qui sont forts. Mais le consommateur n'est pas forcément au courant de savoir qui fait bien son pain, comment il le fait et qui le fait moins bien. En restauration, il y a quelques années, on a eu la même problématique. Il fallait savoir qui cuisinait et qui ne cuisinait pas et réchauffait. Et on s'est battu, à l'époque avec Alain Ducasse, c'était la réflexion sur le mot restaurant. Est-ce que le restaurant, ça insinue immédiatement que vous cuisinez? Et bien finalement, la chose qui en est sortie, c'est le titre maître restaurateur. Le titre maître restaurateur est un titre officiel porté par la préfecture de police qui vous est donné après un audit. Qui ne dit pas que vous faites bien à manger? Qui dit que 80-70% de vos produits sont frais? Aujourd'hui, si vous voulez continuer à défendre en tant qu'ambassadeur du pain la tradition française, ce commerce de proximité dont la France est amoureuse de vous, il faut vraiment qu'on comprenne de mieux en mieux le savoir de ce qu'est un vrai boulanger et ce qui ne l'est pas. La tendance actuelle dans toute la gastronomie, vous l'avez dit, quelle qu'elle soit de la gastronomie, dans l'alimentation de bouche, c'est le retour aux valeurs essentielles. Finalement, on revient aux valeurs de nos anciens. On revient à la façon dont on produit les éléments avec du temps. On a de nouvelles modes, de nouveaux fonctionnements, le vegan, le végétarien, le flexitarien, qui sont effectivement des gens qui ont décidé d'aller plus loin dans leur démarche. Ces gens sont une niche qui devient de plus en plus forte. Les millénials, les jeunes générations sont très à même de la compréhension du blockchain, de la souffrance animale, etc. Donc c'est des choses qu'on doit prendre en compte dans n'importe quel corps de métier de bouche aujourd'hui. C'est capital parce que l'avenir de demain. Moi, je suis le cofondateur, entre autres, d'une association qui s'appelle Chef Fort de Planète, où j'ai les plus grands chefs aujourd'hui de la planète qui nous ont rejoints pour défendre les valeurs du manger durable et de l'alimentation globale positive pour la planète. Parce qu'en allant plus loin, on dit qu'aujourd'hui, bien manger, c'est voter également. Donc ça, c'est une chose que vous allez devoir de plus en plus prendre en considération, mais vous l'avez prise parce que toutes les démonstrations faites autour de cette table depuis ce matin nous ont montré que vous étiez en pleine conscience de la mutation de cette jeune génération. Je peux vous dire que moi j'ai vu des jeunes générations, des jeunes aller dans les poubelles des restaurants pour voir combien de plastique ils consommaient et se venger sur les réseaux sociaux qui peuvent faire parfois très mal sur le fait d'une consommation un petit peu limite. Donc ça c'est la première des choses. Il faut ouvrir son marché, vous le faites très bien. Il faut voyager, vous le faites très bien. Parce que finalement on va récupérer des idées d'ailleurs et comme le disait notre ambassadrice d'Inde, effectivement, les Indiens sont ingénieurs et vont à l'étranger et reviennent, mais inversement, on voyage de plus en plus facilement et quand on revient, on a envie de voir la différence. Et le consommateur, quel qu'il soit, a de plus en plus envie de lire l'étiquette de ce que vous lui proposez. Regardez la place du bio dans les supermarchés. Quand j'ai été contacté par des grands groupes il y a 25 ans de ça sur le bio, on rigolait. Ils me disaient le bio, c'est un petit coin, il y a 4 légumes tordus, tout le monde s'en fiche, vous verrez, ça n'ira pas plus loin. Maintenant, bio, il y en a sur n'importe quoi, des sacs d'emballage, etc., etc. Donc c'est une tendance qui n'est plus une tendance, c'est une obligation. Mais gardez en tête une chose, le boulanger, c'est la tradition française. C'est la découverte, c'est le savoir-faire. Donc oui, il faut ouvrir vos boulangeries à un snacking plus important. On en a parlé, la définition c'était de se dire qu'est-ce qui fait que je suis encore dans la ligne du snacking toléré et celui qui est dépassé. Donc on parlait toujours de la partie pain, il faut qu'il y ait une partie pain dedans. Je parlais avec un fameux boulanger il y a quelques jours, fameux parce qu'il a beaucoup de boulangeries en France, qui me disait « moi maintenant je me suis lancé, je fais des plats italiens, je fais des plats emportés sans pain, c'est pas grave, de toute façon le client nous demande ». Mais en faisant ça, vous perdez votre identité, vous perdez votre légitimité. Il faut qu'il y ait un rapport. Et même si le snacking peut rapporter 30, 35, voire 40% effectivement dans une boulangerie, n'oubliez jamais une chose, c'est le pain le plus important dans une boulangerie, ça l'est, ça le restera. Augmentez vos offres, expliquez d'où vient l'offre culinaire que vous présentez,
expliquer le blockchain, la démarche, et de ça, vous allez continuer à avoir une clientèle et à la fidéliser, car je vous assure qu'en gastronomie, la grande tendance du moment, c'est le retour aux valeurs anciennes. Ça a été porté par la bistronomie, entre autres par des chefs comme Yves Candebord. Aujourd'hui, on revient au savoir-faire, parce que on avait de la choucroute partout. On est incapable de trouver une bonne choucroute aujourd'hui à Paris et région parisienne, voire dans les grandes villes. Et bien, celui qui fait une bonne choucroute demain, je vous assure qu'il fera le service complet en permanence. Ça, c'est la force. Et pour ça, moi, je connaissais peu et mal les ambassadeurs du pain. Et grâce à Sylvain, je me suis renseigné, j'ai regardé toutes les démarches que vous faites dans le monde, et c'est à moi, en tant que consommateur, de vous dire juste merci et bravo, parce que c'est parce que des gens comme vous qui portez des valeurs fortes d'une gastronomie responsable, gourmande, de qualité, healthy, comme on dit en anglais, vous faites, pardonnez-moi du terme, mais moi j'ai été un grand copain de Coff, donc on a les mots de pain. Vous faites la nique aux grandes surfaces, la GMS, parce qu'effectivement vous apportez une plus-value qui est forte, c'est celle du savoir-faire, du manger et du respect du producteur. Merci Sébastien. Maintenant je veux bien répondre aux questions. On avait, tu vois, à un moment donné cette discussion de dire avant on allait en boulangerie chercher le pain, si la vendeuse était douée, on repartait avec quelque chose d'autre. Maintenant, on va dans une boulangerie pour acheter tout sauf du pain. Et si ça se passe bien, on repart avec le pain pour le soir. Et c'est peut-être là où je dirais il y a un vrai tournant. C'est de dire finalement, et là je joue un petit peu le provocateur, mais quand j'écoute tout ce que vous dites, est-ce que finalement la boulangerie, on n'est pas devenu le restaurant pas cher? Et jusqu'où nous artisans, on doit se poser la question jusqu'où on peut aller au niveau du prix de nos formules pour finalement pas faire de la restauration mais rester dans le monde du snacking. Qui s'y jette? Moi, je veux bien lancer à l'eau, j'ai l'habitude en général d'aller à l'eau. Je vais peut-être en prendre deux bouées parce que là c'est un peu dangereux. Mais moi je pense que de toute façon c'est pas un problème de restauration ou de dire la boulangerie c'est devenu nouveau restaurant. Je pense que c'est pas ça. C'est que aujourd'hui, le consommateur lambda, de toute façon, la dernière boutique qui pense aller le soir, ça restera la boulangerie. Ça reste encore naturel. Donc ça, pour moi, à part à Paris, parce qu'on a une mère qui les empêche des fois de se pouvoir y aller, mais entre guillemets, ou très très doucement, voilà. Mais sinon, voilà, c'est la dernière boutique, de toute façon, où les gens vont chercher quelque chose, c'est la boulangerie. Donc d'accord. Après, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, acheter une baguette, c'est plus suffisant. Parce qu'on finit tard, parce qu'on a des enfants, et chaque personne a envie de manger autre chose. Aujourd'hui, je pense que c'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est vraiment un instant important, parce qu'il y a une connaissance. On ne va pas à la boulangerie par hasard non plus, parce qu'on connaît bien le bon boulanger, on sait que le pain qui reste, il est bon aussi. Peut-être qu'il y a une pâtisserie à traîner un peu moins chère. Maintenant, c'est ce rôle-là, en fait, qui doit être utilisé. Il faut devenir un commerçant, entre guillemets, plus qu'un boulanger peut-être le soir. Il faut modifier un petit peu l'ADN, hein, je dirais, de la vente, parce que c'est important. Aujourd'hui, de toute façon, le consommateur, il veut manger à l'extérieur. Il n'a pas toujours le temps de faire à manger à la maison. Donc la solution, il faut la trouver. Grande surface, c'est peut-être facile, mais les gens, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est du clean et du clear. Donc c'est les deux. Donc chez notre boulanger, on est rassuré. On peut poser une question, on aura peut-être une réponse. Les étiquettes, les éplucher avec ma fille, moi, elle n'achète rien, c'est la pas épluchée. Donc, j'en ai trois, donc imaginez faire les courses. C'est pas simple. Donc les marchés, c'est une solution. Les boulangeries, c'est une solution. Les artisans également. La profession qui a plus évolué pendant le Covid, c'est les bouchers. Ils sont à plus 30%. Je sais pas si vous imaginez, hein, plus 30%. Pourquoi? Parce qu'ils ont garanti, justement, avec les éleveurs, la viande française. Garantie, qu'ils connaissent depuis très longtemps, ils ont fait un petit service, ils ont un peu livré, ils ont apporté des solutions. Ils conseillent aussi d'acheter le pain en face parce qu'il est bien, du fromage. Certains, ils ont mis quelques légumes en plus. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut vivre à la française. Je pense que le modèle à la française, pour moi, il est en train d'évoluer. Avant, c'était dans les restaurants, dans les auberges. Et ça tourne disparaître un petit peu. À nous de faire attention, parce qu'il ne faut pas le perdre, hein. C'est super important. Mais les boulangers aujourd'hui ont un rôle beaucoup plus important et social. C'est RSE aussi, parce qu'indirectement, ils font travailler les boutiques à côté. Alors, ouais, merci d'avoir mis cet éclairage-là. Il est vrai que je le partage. Je me pose des questions maintenant. Je dirais qu'on a vécu une période, une année, voire deux, très compliquée. Qu'est-ce qu'on va en garder de tout ça? Et je dirais, qu'est-ce que ça doit nous...
À quoi on doit penser aujourd'hui, nous, lorsqu'on veut faire du snacking, lorsqu'on veut faire de l'accueil, lorsqu'on veut faire tout ça? C'est, tu te mets du côté du restaurant, du boulanger ou du côté du client? Est-ce que ce n'est pas la même approche? Oui, mais c'est-à-dire, alors on va se mettre du côté... Le client, Fabrice l'a bien expliqué, il a besoin d'être assuré aujourd'hui. Alors on parlera des normes d'hygiène mises en place pour assurer, mais il est évident que... On est revenu à l'essentiel. On a eu plus de temps pendant le Covid pour cuisiner. Donc on a repris le temps de cuisiner. Les émissions de télé ont explosé avec, entre autres, Cyril sur M6. Donc ça redonnait le plaisir de retrouver la vivre à la française, pour citer Fabrice, dont il a parfaitement raison. On a eu ça. Cette évolution, elle se fait aussi sur la livraison. Et c'est là où on va être sur une problématique. Tout à l'heure, on disait pourquoi c'est le burger, tout le monde le livre. Le burger, ce n'est pas parce que c'est le meilleur plat du monde à manger, c'est le plus facile à livrer, comme la pizza, comme les sushis. C'est une raison technique, c'est rien d'autre. Si demain, tu arrives à cuisiner des pâtes absolument magiques et à les livrer de façon intelligente, la pâte prendra le dessus. Aujourd'hui, quand tu travailles avec des gens qui sont en mode livraison, des jeunes qui sortent et qui montent des dark kitchens, ils font une analyse de ce qui est livrable facilement avec une rentabilité importante, puisque les agrégateurs Uber Eats, etc., prennent en moyenne entre 27 et 30% sur le prix de la livraison. Et on a commencé, et alors moi j'ai été fasciné par l'histoire indienne sur la livraison du pain, parce que ça fait un moment qu'on se pose la question de savoir comment on peut se faire livrer le pain. Mais le pain, c'est pas rentable. Ou alors ta baguette, elle est à 5 euros et tu la vendras pas. L'idée de se dire peut-être qu'on peut le faire le soir, d'une certaine livraison, ce qui fait que tu n'as pas d'invendu, c'est du flux tendu. Tu arrives, et si tu arrives à la packager avec une offre globale, tu parlais du brunch. Mais livrez-moi un brunch de qualité, le petit déjeuner, le samedi midi. Écoute, l'autre jour, je ne vais pas vous mentir, je rentrais de voyage, je suis arrivé, il n'y a rien dans le frigo. Le matin, j'ai envie de manger, j'avais du café, j'ai absolument pas de pain. À côté de chez moi, c'est que des boulangeries qui ne sont pas des boulangeries. Donc, je suis obligé de prendre ma moto pour faire quelques kilomètres pour aller. Et je me suis dit à ce moment, s'il y avait un mec qui m'apportait les croissants beurrés, la baguette croustillante alvéolée, etc., je lui aurais donné un beau billet parce que j'étais vraiment dans cette optique d'attente. Ça ne se fait pas, mais ça devrait se faire. On revient et on bouscule. C'est vrai qu'on a ces summums de services, de livraison, etc. Et après, le problème, c'est le coût. C'est-à-dire que qui va accepter à un moment donné d'aller sur ce service et ce côté premium, ce que je conçois. Hein. Le deuxième point, c'est que je dirais la restauration aussi, on a tous été, on a voulu être solidaires aussi. Moi, j'ai acheté des plats, mais c'est vrai que je les ramenais chez moi, me retrouver avec des bons plats, mais dans des barquettes en alu... qu'il fallait resservir chez nous d'une façon dramatique, parce que c'est pas notre métier, c'était mal réchauffé, etc. On a atteint les limites, peut-être, de la... C'est toujours un peu dangereux, parce qu'on doit s'acheter un 2 étoiles à 35 euros dans une barquette aluminium filmée, mal réchauffée, c'est plus un 2 étoiles pour moi. Donc faire attention, je pense que là, pour moi, c'est les limites, justement, des choses. Après, le takeaway qu'un restaurateur comme Emmanuel Renaud, par exemple, 3 étoiles, lui, il l'a très bien maîtrisé. Il a fait une décision plus judicieuse, je trouve, parce que lui, il a fait des plats typiquement terroir, des gratins de finnois, des gratins de creuset, donc typiquement du pays, et qu'il a été livré lui-même avec un petit food truck. Il a été monté dans tous les villages perchés de 800 à 2200 mètres. Donc, je pense qu'après, il faut tout regarder le bon sens et remettre l'église au centre du village, comme on dit. Restons intelligents. Ok, il y a du business à prendre, mais faire que du chiffre d'affaires, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Je pense qu'il faut garder quand même un petit peu et ce qui s'est passé avec la Covid aujourd'hui. On a besoin de sens, je pense, dans la vie. On a besoin de sens pour sauver nos métiers des artisans, parce que c'est important. Et surtout, c'est le consommateur qui veut ça. C'est le consommateur. Il faut arrêter de le prendre pour un imbécile. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il devient un petit peu intelligent, même s'il n'a pas d'argent. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes, moi je connais très bien, qui sont très brillants, mais qui ne veulent pas travailler beaucoup parce qu'ils préfèrent faire autre chose. Mmh. Aujourd'hui, c'est un choix. Avant, ce n'était pas un choix. Aujourd'hui, c'est eux qui décident. Ce n'est pas les imbéciles. Hein. Donc... Non, c'est clair. Voilà. Okay. Mais pour continuer sur la démarche, c'est vrai que
D'abord, ce n'est pas le même métier, la livraison et la gastronomie durable, la gastronomie en restaurant. Ensuite, moi j'ai testé du casse à la maison, par exemple. Ça te coûte très cher, c'est à peu près le même prix que si tu allais au Benoît manger sa cuisine. C'était très bon, mais le packaging n'était pas à niveau, c'était dans du siphon. Donc tu perdais la magie, et puis tu perdais le conseil du sommelier, le bonjour monsieur, comment allez-vous, l'assise, le décorum autour du restaurant, l'expérience. D'un étoilé qui fait la différence. Mais il y a une dichotomie aujourd'hui qui est terrible, parfois qui peut aller en guerre, mais c'est l'histoire du service à la russe ou à la française. Hein. On va se battre un peu, puis on va trouver une solution. La gastronomie s'en sortira toujours, mais sur les jeunes générations qui peuvent être un petit peu fatiguées du service long, des étoilés, et puis également parce qu'on leur a fait peur. On n'a pas été les chercher à une époque. Moi, je me souviens d'une époque où, quand t'arrivais sans veste dans un restaurant, on t'envoyait méchamment sur le camp en disant « Oh, c'est des pauvres, ceux-là, tu vas les mettre dans le fond. Bon, voilà, tu les laisses tranquilles. » Mais on paye ça au bout d'un moment. Parce que le pauvre d'hier peut être très riche le lendemain et il ne va pas être très content de retourner dans son restaurant. Donc, je pense qu'il y a une évolution, comme toujours, qu'il faut prendre en compte. On est dans la food tech, que l'on le veuille ou non. Moi, je ne suis pas un grand fan de ça, je vous l'avoue, mais je pense que Fabrice non plus, on n'est pas autour de cette table, ou Sylvain, etc., pas des grands fans de ça, mais il y a un moment donné, c'est comme ça que ça évolue. Alors, on essaie de la maîtriser, de la comprendre, tout en préservant nos acquis, et puis surtout notre philosophie de vie. La livraison, c'est un système qui prend deux chiffres par année d'évolution. Accéléré, comme le disait l'autre jour un propriétaire d'Dark Kitchen, le Covid nous a fait gagner 6 ans en une année. Donc on est dessus. Est-ce qu'on doit tous aller dans ce sens-là et ne faire que ça? Je ne pense pas, puisqu'on va se perdre effectivement, mais que ça soit une plus-value parfois quotidienne, parfois épisodique dans son cœur de modèle business. Peut-être intéressant, Emmanuel Renault, il ne va pas le garder, mais il l'a apporté à un moment donné où il en avait besoin, ça lui faisait de la com, c'était ludique, et puis c'est terminé. C'était très bon. Comment je crois que le postulat de tout ce qui a été dit, c'est que, y compris dans ta définition, c'est que ça devait être bon. Et c'est vrai qu'on a notre seul truc qui nous légitime, c'est de faire quelque chose de bon. Moi, je me repose des questions après sur la partie aujourd'hui, les artisans, comment on va pouvoir les accompagner. Et alors, on peut parler de la formation, mais j'aimerais qu'on revienne sur l'amont encore, sur les ingrédients, sur la formulation santé, sur la nutrition. Où est-ce qu'on doit, je dirais, nous, l'artisanat, et pour être dans nos valeurs, quelle piste on peut trouver et comment on peut travailler demain cette nutrition et cette formulation. Qu'est-ce qu'on va avoir, nous, demain, alors? Les artisans boulangers, vous connaissez les ingrédients. Vous les pratiquez au quotidien. C'est vous qui connaissez bien comment réagissent telle et telle farine, telle et telle graine. Et vous savez les utiliser de multiples façons. En fait, l'intérêt là de la démarche, c'est vraiment de trouver, de concilier en fait l'équilibre nutritionnel. Parce que, encore une fois, on peut allier plaisir et nutrition. Hein, c'est pas antinomique. Et le but, c'est que l'artisan sache associer les bonnes quantités et élaborer une vraie, j'ai envie de dire le mot portion, même s'il n'est pas joli dit comme ça, mais qui correspond vraiment à l'attente du consommateur. Et vous l'avez tous dit d'ailleurs, les ambassadeurs internationaux, nos consommateurs attendent une solution nutritionnelle healthy. Et en leur démontrant qu'on peut construire nos recettes en respectant un certain équilibre, on est légitime. Et demain, il faut chacun se poser la question, dans notre offre de restauration boulangère, même si on vise du plaisir et de l'équilibre organoleptique, on peut aussi vérifier que la portion est saine pour un consommateur. Donc demain, ne dégustons nos produits dans une optique de les formuler pour un plaisir gustatif, mais en même temps, on peut orienter notre lecture du produit en vérifiant que l'équilibre nutritionnel est là. Est-ce que quelque part, ça se voit, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Sur le côté plaisir, est-ce que on doit perdre quelque part certaines formulations pour aller sur de la nutrition, ou est-ce qu'on ne doit pas éduquer
plutôt les plus jeunes à aller acheter une tarte cacahuète, chocolat, caramel, beurre salé, etc. Et la manger sans se culpabiliser et avoir cette mainmise là de je me fais du mal ou on m'observe, j'ose pas manger mon truc devant les autres et finalement est-ce que je peux pas me faire plaisir mais l'accompagner dans ma journée, est-ce que la boulangerie, je viens là-dessus parce que j'aimerais vous faire parler là-dessus, est-ce que le pain peut pas être un outil nutritionnel, c'est-à-dire pour que dans ma consommation je puisse me faire plaisir, mais si je consomme mon pain je peux peut-être limiter les dégâts parce qu'il va me permettre, avec les fibres, d'absorber. Je ne dis pas, c'est votre métier, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais justement, on est là, et c'est tout le sujet et tout l'enjeu de ces nouvelles recettes aussi dans le livre, c'est de démontrer que, oui, on peut se faire plaisir et manger une tarte caramel, cacahuète et autres chocolats. Et bien sûr, et on reste des humains et des bons vivants et des épicuriens, et on est d'ailleurs là pour ça. Bien sûr qu'on peut se faire plaisir, mais effectivement... revoir ça dans l'offre globale journalière, c'est-à-dire que dans ma journée, je sais que je ne vais pas pouvoir me nourrir que de tartes chocolatées, d'une chocolatine. Et bon, à un moment, il va falloir faire un choix. Donc oui, le pain peut être une solution, c'est-à-dire que si j'ai décidé de me nourrir avec un pain qui a des allégations de santé qui vont me permettre au moins d'être correct sur une partie de ma ration, j'aurai mangé de manière saine et aussi qui va me permettre de tenir sur la durée, n'oublions pas. Et peut-être que le soir, quand je ferai un apéritif avec mes amis, je mangerai quelques finger foods un peu plus plaisir, dans le sens conviviaux et avec un verre d'alcool. Mais pour autant, le pain, sur ma ration, on va dire par exemple sur mon déjeuner, j'aurais pris une offre de restauration boulangère qui m'a apporté les fibres, mes acides aminés essentiels, et tout cela dans une certaine mesure calorique, ok, acceptable. Moi, j'ai juste une question à vous poser, parce que quand tu, on est tous passés par là, on n'a pas réussi, tu réfléchis régime, la première chose qu'on te dit, c'est arrête de manger du pain. Ah, au secours. Ah non. Non, non. Non, mais c'est vrai ou pas ? Malheureusement. Arrête de manger du pain. Ouais. Ah, tu dis, bon, d'accord, pain, un gros. Ouais. Voilà. Non. Et le pain, je pense que c'est à nous aussi de... Le fameux pain, pas de paritif. Oui, mais sauf que le boulanger, qui est mieux placé que le boulanger pour défendre ce produit et montrer la légitimité de la densité nutritionnelle d'une offre bien équilibrée, elle est tout à fait légitime et on peut manger du pain tout en ayant un équilibre sur sa ration journalière. Bien sûr que il faut voir l'offre dans sa globalité et on ne peut pas toujours tout équilibrer. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on a fait un excès, si on le dit au sens calorique du terme, on sait que dans la semaine on va pouvoir réguler ça. Mais le pain, heureusement, est là pour montrer qu'on peut avoir quand même une manière de se restaurer saine et qui n'est pas justement vide de... Ce ne sont pas juste des calories, mais il y a des nutriments qui sont essentiels dans certaines recettes et dans des pains qui finalement, le mot pain nutritionnel, oui, mais le pain au sens premier du terme, c'est la nutrition, c'est le pain qui nourrit l'homme. Donc c'est important de défendre, j'ai envie de dire, la densité nutritionnelle de nos pains. Alors, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. On s'est rendu compte que la gamme, en effet, de snacking peut encore largement évoluer. On a vu dans les présentations qu'on va du monde de l'apéritif jusqu'à l'après-repas. Hein, et on se rend compte que la limite, quand même, moi, ça a été cette fameuse limite, restauration, snacking, etc. Il faut peut-être plus qu'on l'aborde de la même façon. je pense qu'on a fait énormément de progrès sur le snacking, sur la façon de le faire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ça va me permettre d'introduire Thomas et Sylvain sur finalement la continuité de ce propos. Aujourd'hui, on a travaillé la nutrition, on a travaillé les orientations, on a travaillé la mondialisation de cette culture du snacking. Je crois que vous avez fait un énorme travail avec les ambassadeurs et je pense que ça serait déjà remercier les intervenants de la table qui ont fait une belle intervention sur leur partie et merci de votre participation. C'était super sympa. Et est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre maintenant ? Parce qu'on a tous envie de le voir maintenant. Thomas. Tu veux commencer, Thomas ? Les anciens peuvent démarrer. Les anciens, merci, c'est gentil. ce livre, comme tous les livres qu'on a l'habitude de sortir maintenant, c'est pas juste un livre, c'est aussi une aventure humaine.
On a vu des moments un peu compliqués pendant cet ouvrage. On ne pourra pas oublier le porteur du projet au départ. On a travaillé pour rendre ce livre une belle réussite. Je pense que quand on l'a ouvert, on a eu cette satisfaction. Le livre, on a centralisé vos recettes, vous nous les avez envoyées. On les a travaillées chacun dans son coin. Et derrière ça, on a bossé. Thomas a bossé un peu plus le pain. Avec Fabien, on a bossé un peu plus les garnitures. Et puis, Thomas va nous raconter un peu comment on s'organise. Mais c'est vrai que c'est une belle aventure. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, nous, on a eu la mauvaise lourde charge de prendre le relais derrière notre ami Roland. Donc, c'est ce qui nous a motivés, en premier lieu, parce que moi, au départ, restauration rapide, on se lance dans un truc, là, les baguettes, 2-3 charcuteries dedans, machin. Finalement, on a fait un appel aux recettes, entre les recettes du Mondial et puis l'appel aux recettes. Et je remercie tous ceux qui ont participé à cet appel, parce que il y a eu beaucoup de recettes, il a fallu faire des choix qui n'ont pas été toujours faciles, il y en a qui ne sont pas là dans le livre. Et justement, on a voulu travailler la multitude de recettes, le choix, et quand on a vu toutes les recettes arriver, là j'ai dit, mais un truc énorme à faire, quoi, parce que effectivement, on est passé de la baguette avec 2-3 trucs dedans à une multitude de supports, et on avait tous des avis différents, puisque certains voyaient le côté rentable dans la boutique, d'autres le côté esthétique, etc. Et puis nous, on avait la lourde charge de se dire, bah, faut choisir des produits à mettre dedans. Important d'essayer de trouver des produits qui soient simples, qui puissent parler à certains boulangers, et puis des produits qui soient plus complexes, des produits qui soient plus intéressants nutritionnellement. On a retravaillé les recettes également avec le côté nutritionnel, soit pour le pain, hein, quand on avait un pain plutôt riche nutritionnellement parlant, il a fallu trouver une méthode et adapter les garnitures. C'est pour ça que certaines recettes, on dit bien qu'on s'est inspiré des recettes qui nous ont été transmises, et c'est pas pour galvauder, loin de là, les recettes qui nous ont été transmises, mais surtout pour essayer d'y mettre un équilibre nutritionnel. Là encore, c'était un choix de Roland et on a été obligé de continuer, et au contraire, c'était le fil rouge du livre, et tant mieux pour nous, parce que c'est ce qui fait la réussite de ce livre. On a eu des recettes nutritionnellement en pain qui étaient très intéressantes, donc on s'est dit, bah là on peut aller travailler une garniture un petit peu plus riche et l'aspect plaisir le faire ressortir. On a essayé de travailler une multitude de supports et une multitude de garnitures. On s'est associé parce que après tout ce qu'on s'est dit là, on se rend compte que le boulanger, on doit aussi sortir de notre zone de confort. On s'est associé avec un cuisinier qui a énormément de talent, qui est Fabien Moirier, qui fait partie des ambassadeurs. On n'a pas beaucoup de cuisiniers à nos côtés dans les ambassadeurs, donc c'est lui qui a eu la lourde charge de porter, et je le remercie parce que... Et de supporter. Et en plus, oui, hein, parce qu'effectivement, ça a été un lourd travail et on l'a réussi, je trouve, correctement. Hein, donc, en tout et pour tout, on peut dire que le livre, c'est à peu près une cinquantaine de professionnels qui ont œuvré et participé. Nous, on n'est que les dernières roues du livre. Hein. Il y a 50 personnes qui ont participé dans ce livre. Et je remercie tout le monde parce qu'effectivement, ça donne envie de continuer. On a notre maison d'édition et on va se lancer dans le livre de la brioche. Je vous invite vraiment tous à participer. Dans la transmission, on a fait aussi élargir notre cadre, parce qu'effectivement on a travaillé beaucoup en visio pour travailler les recettes, et on a des nouveaux arrivants avec nous, on a mis plus de jeunes, et là encore, s'il y a des jeunes qui ont envie de participer au livre prochain, ben on le fait en toute simplicité, et c'est ce qui rend riche le livre, puisque tout le monde apporte son savoir-faire sans aucune barrière, dans un objectif commun, et on s'enrichit d'énormément de travail. Notre mot d'ordre, c'est bien toujours de donner et de recevoir, et cette volonté d'apprendre ensemble. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant, parce que ce livre en est encore une belle illustration. Avec l'élargissement de nos métiers, on a essayé de travailler des méthodes sous vide, mais on a dit à Fabien, attention, il faut qu'on cuise ça dans nos fours boulangers, parce qu'il y a aussi un problème de matériel. On peut pas tous se permettre d'investir dans du matériel de cuisine, mais si on veut qu'il y ait un petit peu de cuisine, il faut en faire un petit peu. Donc voilà, on a essayé de mettre que
3, 4, voire 5 ingrédients dans les recettes. On ne demande pas à cuisiner avec 20 000 ingrédients, etc. Donc, je pense que c'est le mot d'ordre du livre. On a énormément de recettes support pain, énormément de recettes garniture. C'est un beau travail, un beau travail qu'on a réalisé tous ensemble. Et puis, bah, ça donne vraiment envie de continuer dans l'élaboration des livres. Et là, pour terminer, je remercierai vraiment tout le monde. Et surtout, je vous invite vraiment à venir participer avec nous parce que il y en a certains qui sont venus que sur une session, d'autres sur deux, et le mélange des anciens, des jeunes a fait vraiment un super partenariat. Je vous remercie tous. Merci. Merci. Bravo. Pour compléter la présentation avec Roland, on l'a voulu aussi avec deux volets, le volet pain, hein, où à chaque recette, on fait le focus sur le pain et toujours en méthode respectus panis. Et après le volet plutôt garniture et sandwich, effectivement, on le voulait malgré tout que ce livre reste boulanger. Et je pense que là-dessus, on y a réussi hein, par rapport à ce que tu dis, Thomas. Effectivement, il est dans l'ADN de notre association, hein, c'est le partage. Et on est toujours riche d'arriver avec toutes les recettes. Comme tu dis, Thomas, il faut absolument qu'on arrive à trouver le compromis quand on veut le rentrer dans un cadre. Il y avait le Nutri-Score qui nous a guidés, c'est vrai. On a découvert quand même que c'était compliqué. Certaines recettes qui sont arrivées de la Lozère ne pouvaient pas rentrer dans le Nutri-Score. Moi aussi, je remercie tous ceux qui ont participé à ce livre parce que je suis d'accord avec toi, Thomas. C'est une belle réussite. C'est une belle réussite d'équipe. Et puis, on a trouvé notre modèle pour travailler les recettes. Très souvent, on le fait, comme tu l'as dit, en séminaire. On fait deux, trois séminaires de 3-4 jours et on fait les recettes en essai, on les cale et après, derrière, on les transmet en équipe et on les refait après pour carrément rédiger le livre hein, qui nous a passé un petit peu de temps parce qu'il a été un peu plus complexe que les autres livres d'avant. Sans oublier toute la partie quand même rédactionnelle qui prend quand même énormément de temps. Pour ça, on a quand même Amélie qui a quand même pas mal œuvré aussi pour la rédaction, la mise en page et tout. C'est vrai que c'est pas une mince affaire. On a quand même beaucoup d'heures. Vous avez vu et vous le verrez tout à l'heure quand vous l'aurez dans les mains, le livre est quand même bien plus épais que les précédents qui sont sortis. C'est parce qu'il y a vraiment du contenu. Voilà. Et on peut le dire, tout le monde a travaillé bénévolement sur ce livre. C'est un livre qui est fait pour l'association, au service de la profession et développer le savoir-faire pour les artisans boulangers. Voilà. On vous remercie de votre présence, on remercie tous les intervenants, les présentations qui ont été faites des différents pays, cette table ronde qui était très intéressante et qui est très riche d'enseignements. Et puis on voit qu'on a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire et que le monde bouge et qu'à nous tous de suivre les tendances et puis d'accompagner nos collègues ambassadeurs à les suivre. Merci.